Goedemorgen, goedemorgen iedereen. Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire Girls and Women in Digital qu'organise l'SPF Économie à l'occasion de la journée européenne Girls and Women in ICT Day et de la journée internationale Girls in ICT. Ik ben Anne de Bie, ik ben journaliste bij VRT Nieuws. De FOD Economie heeft mij gevraagd om vandaag uw moderator te zijn. Wat ik met veel plezier en veel belangstelling zal doen, parce que en Belgique, malheureusement, comme dans le monde entier, il y a toujours peu de filles qui choisissent une étude STEM. Il y a toujours peu de jeunes femmes qui choisissent d'aller travailler dans le secteur TIC. Et ça, en effet, c'est un problème. Et daarom heeft België een strategie ontwikkeld. Een strategie zowel op het federale niveau als op de regionale niveaus. Le comment et le pourquoi de cette stratégie sera vous expliqué par la présidente du SPF Economie, de voorzitter van de FOD Economie. Dames en heren, hier is Séverine Waterblij. Goedemorgen allemaal, mevrouw de minister, monsieur le secrétaire d'État, dames en heren. Eerst en vooral moet ik minister Dermagne verontschuldigen. Hij zit vandaag geblokkeerd in de file, dichtbij namen, zo opnieuw zijn excuus. Hij was zeer teleurgesteld, natuurlijk. Het is mij een genoegen vandaag als voorzitter van de FOD Economie dit event te introduceren. De hedendaagse samenleving ondergaat veel technologische veranderingen die nieuwe behoeften met zich meebrengen in de context van de arbeidsmarkt, maar ook in de zin van de ontwikkeling van digitaal en wetenschappelijke vaardigheden. Deze Girls and Women ICT Day vestigt de aandacht op het probleem van een tekort aan gekwalificeerd personeel in ICT en STEM-sectoren en de ondervertegenwoordiging van vrouwen in deze sectoren. Voor België heeft de meest recente Digital Economy and Society Index, de DESI, aan dat bijna 60% van de onderneming die zoekt naar ICT-profielen ondervindt problemen om deze profielen ook aan te trekken. Volgens de studie Be the Change die door Agoria gepubliceerd werd, zullen wij bij ongewijzigd beleid tegen 2030 bijna meer dan 500.000 banen in de digitale sector niet ingevuld geraken. Naast deze nieuwe banen is het ook belangrijk om bestaand personeel in staat te stellen de nodige digitale vaardigheden eigen te maken. Naast deze grote uitdagingen is er een gebrek aan vertegenwoordiging van vrouwen in de ICT en de STEM-sector. Volgens de Women in Digital Scoreboard van de Europese Unie vertegenwoordigen vrouwen slechts 17% van de gespecialiseerd ICT in België. De ondervertegenwoordiging van vrouwen in die sectoren, waar toch al een grote tekort bestaat, is een reëel economisch probleem. Ondervertegenwoordiging van vrouwen is ook zeer hoog bij studies, exacte wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde, de fameuze STEM. Van elke 1000 vrouwen tussen 20 en 29 jaar zijn er slechts 8 vrouwen die afgestudeerd in STEM. Daarmee staat België op de 24 plaatsen op 27. Uit de studie van de Europese Commissie Women in Digital Age blijkt dat de oorzaken van de ongelijkheid op het gebied van de digitale participatie complex zijn, maar vooral van culturele aard. Dat wil zeggen dat zij verband houden met maatschappelijke beelden. Bovendien ook discriminatie vastgesteld. Dat wil zeggen discriminatie op basis van andere factoren dan gender. Bijvoorbeeld zoals leeftijd, opleidingsniveau, handicap, origine enzovoort. Als gevolg van stereotypen in de digitale sector is er helaas een gebrek aan rolmodellen. Om meisjes en vrouwen te inspireren om ICT en STEM-studies te volgen en als digitaal specialist te worden. Et vous verrez pendant la journée que nous avons réalisé 5 capsules de modèles féminins qui pourraient inspirer les jeunes filles à suivre finalement ces filières. Donc, consciente de tous ces enjeux, la Belgique a signé le 9 avril 2019 déjà la déclaration européenne Commitment on Women in Digital qui identifie 6 points d'attention permettant d'encourager les jeunes filles et les femmes à s'investir dans le monde numérique.
À cet égard, je suis fière, ravie, mais fière aussi, de pouvoir affirmer que la Belgique est parmi les premiers États de l'Union européenne à avoir adopté une stratégie nationale et intersectorielle Girls and Women in Digital de 2021-2026. Cette stratégie a été adoptée le 18 juin 2021 par l'ensemble des gouvernements belges. Et comme vous le savez, si vous êtes belge, c'est des plus compliqués d'avoir un consensus de l'ensemble des gouvernements belges, donc c'était également une fierté. Et je remercie l'ensemble des partenaires, qu'ils soient privés ou publics, parce que nous avons beaucoup de contributions du monde privé également, d'avoir contribué à cette stratégie. Cette stratégie nationale pour les filles et femmes dans le monde numérique comprend 5 objectifs. Veiller à ce que davantage de femmes obtiennent leur diplôme dans les secteurs numériques, les ICT et STEM. Favoriser l'insertion de toutes les femmes dans le monde du travail numérisé et ou dans le secteur numérique. Favoriser le maintien des femmes dans le secteur numérique, construire de nouvelles images, je l'ai déjà abordé, et éliminer l'écart de genre dans des groupes cibles spécifiques. Il appartient bien entendu aux différents niveaux de pouvoir maintenant d'exécuter cette stratégie, puisqu'il y a des compétences qui relèvent à la fois des régions, des communautés, mais également du fédéral. En ce qui concerne le SPF Économie, notre gouvernement a confié 1,5 million d'euros au SPF Économie en vue de soutenir un monde numérique plus inclusif, dont 800 000 euros seront directement affectés à des projets visant à promouvoir le nombre de femmes dans le secteur ICT. Donc voilà, je ne serai pas plus longue. Je vais maintenant céder la parole à Madame la ministre et au secrétaire d'État. Je voudrais juste faire une conclusion, comme j'ai souvent l'occasion de la faire dans le cadre de Women in Digital. Ce sujet n'est pas une thématique féministe. Ça n'est pas une question féministe. C'est un problème économique. Si nous ne veillons pas à amener plus de femmes sur le marché du secteur ICT et plus de jeunes filles dans la filière STEM, nous nous confronterons demain avec un véritable problème de pénurie de main-d'œuvre dans le secteur ICT. Je vous remercie. En nu geef ik het woord aan mevrouw de minister. Goedemorgen. Beste voorzitter, beste collega minister, staatssecretaris, beste aanwezigen die dit volgen. Onlangs bracht ik een bezoek aan mijn vroegere middelbare school. En niet zomaar om een beetje nostalgisch terug te kijken op mijn tijd op de schoolbanken. Nee, het toeval wil dat men op deze school vandaag extra aandacht geeft via allerlei projecten aan meisjes in digitale en wetenschappelijke richtingen. Een mooi en nodig initiatief. Want tijdens mijn bezoek sprak ik ook enkele leerlingen uit het zesde jaar middelbaar, die eigenlijk op een belangrijk punt in hun leven staan. Een juiste studierichting aan de universiteit of de hogeschool kiezen. En in dat gesprek kwamen ook wel wat twijfels naar boven. Is de wetenschappelijke wereld, is dat wel iets voor vrouwen? Ben ik wel goed genoeg? Zal het geen impact hebben op mijn latere gezin? Of zal het voor mij als vrouw in een mannenwereld niet harder knokken worden? En het zijn twijfels die ik ook als professor gynaecologie in een vorig leven vaak tegenkwam wanneer ik met studenten praatte die een doctoraat voorbereiden. Het waren meestal de meisjes die zich afvroegen of het wel iets voor hen was, of ze wel goed genoeg zouden zijn. En ik moest ze vaak zelfs ook actief gaan scouten en recruteren. Jongens hadden eigenlijk van al deze twijfels en vragen veel minder last. Dezelfde vaststelling blijkt opnieuw uit een enquête die we onlangs hebben afgenomen over genderdiversiteit in de federale loopbanen. Omdat we wilden weten waar nu net de drempels lagen waar vrouwen tegenaan botsten. En uit de eerste resultaten blijkt, weinig verrassend, dat psychologische en structurele barrières inderdaad een rol spelen in de eerder trage opgang van vrouwen naar het middenkader en vooral naar de topjobs. Meer dan mannen vrezen vrouwen dat een leidinggevende functie hen
misschien zelfs een slechte naam zou geven. Met andere woorden, dat een dergelijke functie een negatieve impact heeft op hoe anderen naar hen kijken. En daarnaast geven vrouwen ook wel aan dat ze een leidinggevende rol niet evident vinden, omdat ze ervan uitgaan dat als het fout gaat, hun carrière daardoor misschien schade zou oplopen. En nochtans blijkt het dat het gebrek aan topvrouwen helemaal geen kwestie is van te weinig ambitie of motivatie bij vrouwen. Mannen en vrouwen zijn eigenlijk even gemotiveerd en hebben evenveel ambitie om leiding te geven. Maar tegelijk bevestigt het onderzoek wat andere studies al toonden, namelijk dat vrouwen zich vaak minder zelfverzekerd voelen als het gaat over leiding geven. En ze nemen ook minder vaak deel aan opleidingen over leiding geven. Nu, deze voorbeelden van de middelbare scholieren, van de doctoraatstudenten of ook van vrouwelijke topambtenaren zijn ook exemplarisch wanneer we het over vrouwen in de digitale sector hebben, het onderwerp van vandaag. Ook hier zien we toch dat vrouwen vaak ondergerepresenteerd zijn of tegen dezelfde soort drempels aanlopen. En daarom dat wij als federale overheid onze schouders hebben gezet onder de Women in Digital strategie en dat we hier ook vandaag allemaal samen zijn. Het gebrek aan evenwicht tussen mannen en vrouwen kan namelijk opvallende gevolgen hebben. Het meest sprekende voorbeeld vind ik dat algoritmen bijvoorbeeld op bepaalde online platformen hate speech gericht tegen vrouwen niet altijd detecteren. Dat is bekend, omdat die algoritmen te mannelijk zouden zijn. En dus een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen in de ICT-sector zou dit soort algoritmische vooroordelen, bias, eigenlijk moeten kunnen tegengaan en elimineren. Nu, het gebrek aan perspectief creëert hier, met andere woorden, letterlijk een tekortkoming. Een mooie metafoor dus om het belang van diversiteit te duiden. En net daarom moet de integratie van zowel mannen als vrouwen worden gestimuleerd om te zorgen voor een inclusieve en diverse digitale samenleving. Hetzelfde geldt voor etnisch-culturele minderheden, maar dat is niet het onderwerp van vandaag. Dat zou ons veel te ver leiden. Nu, om de doelen van onze Women in Digital strategie te bereiken, gaan er wel enkele doeltreffende maatregelen nodig zijn. En ik kan u alvast enkele voorbeelden geven van binnen mijn eigen vakbevoegdheden. Ik heb het daarnet al gehad over vrouwelijke topambtenaren. Vandaag zijn ze absoluut nog niet talrijk genoeg aanwezig. Op dit moment is namelijk 25% van de topambtenaren een vrouw. Dat is 5% beter dan in 2019, maar u zal het met mij eens zijn, dat kan en moet veel beter. Om een groter evenwicht te krijgen tussen mannen en vrouwen, beslissen we daarom dat selectiejuries, die mensen moeten aanstellen in die hoge functies, dat die eigenlijk maximaal 2/3 uit leden van hetzelfde gender mogen bestaan. En de volgende stap ligt eigenlijk al klaar. We willen naar pariteit, naar een 50-50 verdeling komen. Want het begint natuurlijk allemaal bij de selectieprocedure die ruimte moet laten voor verschillende visies, verschillende achtergronden. En we kiezen nu eenmaal vaker voor iemand die op ons lijkt. Dat komt uit alle onderzoek. Bovendien is het ook belangrijk om aandacht te geven aan rolmodellen. Wanneer we onszelf gerepresenteerd zien, dan hebben we het gevoel dat we bestaan, dat we er echt toe doen, dat we een kans maken om ergens deel van uit te maken. En dat is een absoluut niet te onderschatten hefboom voor verandering, zoals u wel zal begrijpen. Ook binnen de federale overheid voerden we het recht op deconnectie in. Via dit deconnectierecht werken we aan een betere, een gezondere work-life balance voor ambtenaren. En dat is een hele belangrijke preventieve maatregel voor het mentaal welzijn. Daarnaast hebben we ook telewerk verankerd tot minstens 40% van de arbeidstijd en blijven we bouwen aan de cultuur van leidinggevende om de work-life balance beter te beschermen en te respecteren. En dit alles zal ook een gunstige impact hebben op het genderevenwicht binnen de overheid. Een andere bevoegdheid, telecom. Wel, ook binnen deze sector hebben we al maatregelen genomen. We werken aan de uitbreiding van het sociaal tarief. En door de doelgroep te vergroten, gaan we nog meer mensen kunnen bereiken, waaronder bijvoorbeeld ook die heel specifiek vrouwen met een lager inkomen. En daardoor helpen we ook actief de digitale kloof te dichten, door te zorgen dat iedereen toegang heeft tot snel en kwalitatief internet en de nodige digitale kennis en vaardigheden voor iedereen bij te kunnen brengen.
We hebben ook nagekeken hoe we 650 postkantoren kunnen inzetten als fysieke digipunten, digihubs, zeg maar, in onze gedigitaliseerde wereld. Bpost zelf werkt ook initiatieven uit om een inclusieve omgeving te bevorderen waar iedereen zich gesteund en gehoord voelt en waarin er geen plaats is voor discriminatie, geweld, intimidatie of vooroordelen in welke vorm ook. En zo zal Bpost op korte termijn werk maken van de invoering van een plan voor gendergelijkheid en een geïntegreerd programma van een inclusieve cultuur en leiderschap voor leidinggevenden, heel belangrijk. Daarnaast zal ook het diversiteits- en inclusiecriterium algemeen geïntegreerd worden in de procedures voor de selectie van leveranciers. En u hoort het, om af te ronden, er wordt op vele vlakken en binnen vele sectoren werk gemaakt van meer gendergelijkheid en dat stemt hoopvol. Die meisjes uit het zesde middelbaar met wie ik sprak, waren ondanks de twijfels toch allemaal van plan om een wetenschappelijke richting te kiezen aan de universiteit of hogeschool. En dat is een mooi teken dat we allemaal in de juiste richting aan het bewegen zijn, drempels aan het verlagen zijn en dat we het historisch onevenwicht gestaag aan het uitbalanceren zijn. Laten we hopen dat de Women in Digital-strategie ook een steen in deze rivier van vooruitgang laat verleggen. Bedankt voor uw aandacht en ik geef heel graag het woord aan mijn collega staatssecretaris Mathieu Michel door. Mag ik beginnen? Oké, perfect. Bien, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. C'est un plaisir d'être ici. Je remercie évidemment Séverine et Petra pour leur intervention qui va me permettre de parler des femmes dans le digital. On le constate effectivement, le digital est de plus en plus de plus en plus nos vies. And the world stays digital. Maar digital, het digital, is geen doel op zich. Het moet worden gebruikt om het leven van de mensen te vereenvoudigen en alles te verbeteren wat kan worden verbeterd. Ik kan evenwel vaststellen, selon le dernier classement DESI, qui est en fait le classement européen qui fixe la digitalisation des pays, on se rend compte que nous sommes bons en Belgique, mais que nous pouvons être encore meilleurs. Et nous devons aussi constater que ces dernières années, nous avons perdu quelques places au niveau du classement DESI, au niveau du ranking européen des digitalisations. En fait, on a perdu 3 places dans le classement de 2021. Et donc, c'est important de se rendre compte des critères qui sont utilisés dans DESI pour identifier effectivement la maturité digitale de nos pays. Et un des critères est le critère qui concerne les femmes dans le digital, les femmes dans le monde de la digitalisation, où effectivement nous constatons que nous sommes en dessous de la moyenne européenne. Ça doit être un élément d'attention pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, moi je salue l'initiative de Girls in ICT, puisqu'effectivement ça permet de mettre en évidence une préoccupation majeure. Alors pourquoi est-ce que nous sommes préoccupés du fait d'amener finalement davantage de femmes dans le digital? Eh bien pour 2 raisons majeures. 2 raisons fondamentales. La première concerne en fait un enjeu économique. C'est que moi je suis très heureux du modèle social que nous avons en Belgique. Nous avons un modèle social qui est fort, qui soutient chacune et chacun. On a une sécurité sociale qui est là pour aider nos concitoyens. Mais ce modèle social dont nous pouvons être excessivement fiers, il a un prix. Et la meilleure façon de soutenir ce modèle social, c'est d'avoir un taux d'emploi de 80%. 80% de taux d'emploi, c'est ce qui permet de financer ce modèle social. Et c'est un objectif que s'est fixé ce gouvernement, c'est d'atteindre d'ici 2030 ce taux d'emploi de 80%. Et pour ce faire, et ça a été dit il y a quelques secondes, nous avons besoin de créer des jobs, 500 000 au minimum d'ici 2030, mais nous avons aussi besoin de trouver les 500 000 talents, les 500 000 personnes qui vont prendre à bras le corps ces jobs. Et il est évident que pour trouver ces profils, on ne peut pas aller les chercher
dans la moitié de la population. 52% de la population, ce sont des femmes. Et donc la première raison pour laquelle impliquer davantage de femmes dans le monde digital, impliquer davantage de femmes dans l'économie de demain, la première raison essentielle, c'est parce qu'effectivement, on ne peut pas aller chercher les talents qui vont soutenir les 80% d'emplois, et donc les talents qui vont soutenir ce modèle social, uniquement dans moins de 50% de la population. C'est une première raison qui est mathématique, mais qui est aussi essentielle. La deuxième raison, pour moi, elle est encore plus essentielle. C'est que le digital, on le sait bien, est le reflet de la société aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui n'est pas digital, que ce soit les soins de santé, que ce soit la façon dont on identifie la mobilité, quand on voit comment le travail se digitalise dans son ensemble, tout est digital. Et donc on ne peut pas considérer que le digital est juste développé par la moitié de la population. Je ne veux pas que le digital, que cette société digitale, soit une société digitale uniquement créée et constituée par les hommes. Je pense qu'on doit vraiment tout faire, et c'est cette deuxième raison qui est fondamentale, pour que le digital soit clairement le reflet de toute la société, dans toutes ses différences, que ce soit des questions des différences de genre, que ce soit des différences socio-économiques, ou bien culturelles. Je pense que c'est fondamental que le digital soit le reflet de ces sociétés. We moeten ons bewust zijn van deze uitdaging. We hebben een nieuwe mentaliteit nodig. Een nieuwe mentaliteit nodig, een nieuwe mindset. Ik noem het Smart Nation. En Smart Nation is een mindset die op drie pijlers is gebaseerd. Inclusief, convergent en ambitieus. En inclusief is wat we hier doen. De digitale ontwikkeling zal de hele samenleving weerspiegelen, ik heb het gezegd. En we moeten nog meer aandacht besteden aan de digitale inclusie van jonge vrouwen. Dat doen we met Girls in ICT. Wij moeten convergent zijn en dus samenwerken, academici, ondernemers, politici ook. Met dit in het achterhoofd heb ik in maart 2021 samen met mijn collega's op federaal niveau de strategie Women in Digital aan de ministerraad voorgelegd. Vous le savez, cette stratégie vise très concrètement à favoriser la coordination et la synergie dans notre pays entre les différentes initiatives qui sont prises en matière de promotion des STEM et surtout en matière de promotion des femmes dans le digital. C'est aussi d'ailleurs dans ce cadre, et ça a été évoqué, que nous avons travaillé sur les rôles modèles. Aujourd'hui, il y a des femmes qui travaillent, qui ont des success stories, qui s'impliquent dans l'univers du digital. Et nous avons voulu réaliser des vidéos qui circulent pour l'instant sur le web, qui montrent effectivement ces rôles modèles dans le digital. Il est important de stimuler aussi, par ce modèle d'exemple, les vocations. Met respect van genderdiversiteit en het creëren van convergentie. Dit werk van convergentie is een echte uitdaging. Ik ben me daar terdege van bewust en ik heb er vanaf het begin van mijn mandaat de aanzet toegegeven. In de eerste plaats door verschillende vrouwelijke actoren in het veld te ontmoeten. Ik heb al de kans gehad deze vrouwen te ontmoeten en coworking spaces gewijd aan vrouwen, zoals bijvoorbeeld Womanly. Ik heb ook de kans gehad om inspirerende vrouwen te ontmoeten, zoals Sana Afwijs, Saskia Van Uffelen, Muriel Bernard, Marie Duchastel, Julie Foulon en zoveel anderen. Mais surtout, nous devons avoir plus d'ambition. Plus d'ambition parce que notre terrain de jeu, c'est le monde. Et pour le conquérir, nous devons nous appuyer sur un modèle de convergence, de collaboration qui soit moderne, avec l'ensemble des communautés, l'ensemble des régions. Nous sommes confrontés à un enjeu majeur. Aujourd'hui, impliquer davantage de femmes dans le digital, c'est non seulement construire une société dans laquelle chacun est représenté, une société qui est à l'image de notre pays, un pays dont nous sommes fiers, mais c'est aussi la meilleure garantie pour assurer le vivre ensemble, pour assurer un modèle social auquel nous tenons tous. Je ne serai pas plus long,
Je crois que j'ai déjà dépassé mon temps de parole, d'ailleurs. Mais je tiens vraiment à remercier chacune et chacun pour l'enthousiasme et certainement le SPF Économie pour cette formidable organisation. Ich soll dus hier afsluiten. Maar ik wil de Fond Economie bedanken voor de organisatie van deze dag. En bijzonder voor het ontal. En nog een prettige dag allemaal. Merci Mathieu, Michel, Petra de Sutter et Séverine Waterblay pour la présentation de cette stratégie. We gaan daar straks verder over discussiëren, maar eerst stel ik u heel graag voor aan een jonge vrouw die wel degelijk al volop in ICT zit. Meer nog, ze heeft dankzij ICT de hele wereld gezien en dat mag u letterlijk nemen. She studied maths, physics, economics and she's about to go to Stanford University to go and study computer sciences and engineering. But of course, you all know her as the youngest woman ever to have flown around the globe on her own, solo. And with that extraordinary adventure, she wants to encourage other girls to pursue their dreams, and she wants to motivate other young women to go for a STEM-related career, whether it is inside or outside aviation. Ladies and gentlemen, we are really thrilled, delighted, and very honored to present to you Miss Zara Rutherford. Hi everyone, I'm really happy to be here. I want you guys to picture the scene. You're flying along across the Japanese sea at about 2,000 feet. You're trying to get to South Korea. You're going from Russia to South Korea and you're kind of just avoiding North Korean airspace. North Korea is on your right, about 2 hours away. Japan is on your left, also about 2 hours away. And you're going along happily, everything is going very well, until ahead of you, you can see a line of cloud cutting across in front of you from the Japanese side into the North Korean side. You're not allowed to fly into cloud, don't have the right training, and even the plane isn't actually supposed to fly into cloud, and you're not supposed to go into North Korea. So what do you do? There's a few options. The first one, maybe you turn around, you go back to Russia. But Russia now is 4 hours away again, so you have to think about fuel, you have to think about whether there's enough daylight, and also, that's 8 hours since you've left. Maybe the weather's changed. Maybe you decide, you know what, I'm gonna go to Japan. But Japan, 2 hours away, the weather's not too great there either, and you're not supposed to go there, don't have the right paperwork. In an emergency, of course you can. C, you keep going, hope for the best, or D, you go to North Korea. And this is not a question that I was expecting to have to answer when I decided to fly solo around the world. I'm really lucky, both of my parents are pilots, and I grew up around aviation. Aviation was a big part of my life, is a big part of my life, and I always knew I wanted to become a pilot. But in the back of my mind, I also always dreamt of doing something crazy. Something, a once-in-a-lifetime adventure. And flying around the world is one of those adventures. But even at a young age, I knew that it was impossible. Who am I? Why should I be the lucky one who gets to fly around the world? It's expensive, it's dangerous, it's complicated. How on earth do I even get started with something like that? So with those thoughts in mind, I decided, you know what, I won't bother trying because it's not going to happen anyway. A few years go by, I get my license, and finally, in senior year of high school, that's when I realized, with that attitude of why bother trying, because it probably won't happen anyway, well, it definitely won't happen. So I decided, okay, I'm gonna do this 100%, I'm gonna put all of my efforts into it, I'm gonna take a gap year before I go off to university and do something a bit crazy. I told my parents, my dad was excited, my mom not so much, and then looked at all the things I needed. I need a route, I need a plane, it's difficult to fly around the world without an aircraft, and I will need sponsorship to actually fund my journey. In the very beginning, I didn't actually realize that I would be breaking a world record. The male record holder was 18 years old, I was aware of that, and I just assumed that the youngest woman wouldn't be far behind. I was 19 at the time,
And when I did some more research into it, I realized the youngest woman to fly solo around the world was 30 years old. There was a 12-year age gap, which I thought was ridiculous. So I figured, okay, you know what, I'm going to try and break the record and bring that gap a bit closer. At the same time, I can try and encourage more women to go into aviation and just and general STEM careers, because that's a huge passion of mine. Only 15% of commercial pilots are women. And I noticed it growing up, and it did really affect me and my journey throughout my aviation career, even though it's been pretty short so far. So the plane was relatively simple. I was looking for a microlight, a fast microlight. The Shark was an obvious choice, very good, efficient aircraft, very fast as well, so that was great. And they were happy to loan me an aircraft. Second step, a route. I really enjoyed planning a route. I grabbed a world map and a pen and literally drew a line, my departure being Brussels, Belgium, my home. And then sponsorship. I emailed 500 different companies asking for sponsorship. They all came back and said no. But finally, about a week before my scheduled departure, a Bulgarian man phones me up and says, hey, I heard about what you're doing and I want to help you out. I want to sponsor you. And with that, I was ready to go. So in August, I set off. I still couldn't quite believe it until I was actually in the air. I was very excited, quite nervous though. I wasn't too sure what was going to happen. I wasn't sure what to expect, especially in some of parts of the world where I'd never been to before. On day two, I'm getting ready to cross the Atlantic Ocean. I'm going from Greenland, sorry, from Scotland to Iceland, Iceland, Greenland, Greenland, Canada, to cross the Atlantic because it's a very big ocean. As you can see on the slide, I'm wearing a very, very nice suit. This suit is actually to keep me warm. So if for any reason the engine stops and I have to do an emergency landing in the water, then that suit will actually allow me to swim about for about 5 minutes and 30 seconds before hypothermia kicks in, instead of 30 seconds without the suit. So you might be thinking, what is 5 minutes going to do when you're stuck in the middle of the North Atlantic? Well, 5 minutes is enough time for me to get out of the aircraft, open the life raft, jump inside and call for help. But again, so I had to think about these things, and for the first time in my life, I lost my safety net. I didn't have anyone I could really rely on. It was really up to me. I was flying solo. I had no radio communication, so I kind of had to figure it out. And it was strange, because there was nobody. I couldn't say, hey, I'm done, someone else take over. I had to figure it out myself. When I do reach Iceland, the flight went well, I am greeted with one of the most incredible sights on this planet, an active volcano. It was incredible. I didn't obviously fly straight over it because it is still a volcano, but I was able to fly around it, which was amazing. The next day, I'm off to Greenland. Greenland is one of the most beautiful places on this planet. It is one of the most remote places as well. And it was strange again because I find myself in the middle of nowhere, but not only that, I was able to speak to some of the locals. And they were talking about the effect climate change had had on their lives, and they were talking to me and saying, we notice polar bears heading further south, and they're becoming a real threat to us and our children. And coming from Brussels, coming from Belgium, I couldn't even imagine fearing for a polar bear, right, or wolves, or any sort of animal. We're just so used to a city and just that feeling of safety that I was struggling to imagine it. Finally, the next day, I'm off again. I'm going to Canada, and it goes great. And I think, great, I've crossed the Atlantic. It should get easier now, right? I'm heading down the east coast of America, and I'm heading towards the equator. On the way, though, I stop off in North Carolina. I was flying along, and I forgot to actually check when the sunset was, which was a really silly mistake. And I can see the sun setting as I'm flying. I'm nowhere near my destination. And it's really frustrating because I'm thinking to myself, why didn't I check when the sunset was? But soon enough, I figure, okay, you know what? I'm going to have to land right now. I land in a place called Washington, not Washington, D.C., Washington in North Carolina. And I find myself in a very small airport at night where there's nobody there. And this is an unexpected challenge that came up. I had surprises all along the route, but I was trying to figure out a way to get to the nearest hotel. But there were no taxi companies nearby, and I was struggling to find a place, a car to drive me there, when suddenly a car drives in this empty car park at night. And I figure, you know what?
let me hitchhike. Let me give it a shot, see what happens. I waited a little bit because I wasn't too sure who was inside and whether they were going to leave the car. They didn't. So I figured, well, let me just go and ask them. So I go up to them, knock on the door. Sure enough, it's a guy. And I ask him, hey, is it okay if you just bring me to the town so I can try and get something to eat and sleep somewhere? And he goes, yep, why not? And that went really well. But when I told my mom this story, she went, what? You went hitchhiking with a random stranger at night? How risky was that? But to be honest, I always saw that as the safest thing I did that day. That ended up being fine, and I'm heading towards the equator. And I'm really excited, but also a bit nervous, because for the first time, I'm dealing with thunderstorms, and I wasn't sure what to expect. It went great, though, so I had loads of fun in Colombia. And from there, I'm heading north again. I am going back to the States to reach Alaska, to then go to Siberia to cross the Pacific. I managed to do some sightseeing, which was a lot of fun. I got to see the Hollywood sign. And as I'm traveling through the western coast of the US, I'm still struggling a lot with other delays, like wildfires. So again, coming from Brussels, Belgium, I am not really used to wildfires everywhere. But in California, it's a really big deal. And I was really struggling. It got to a point when I was flying that I could actually smell the smoke inside of the cockpit. And then it got really turbulent, and then I couldn't see anything anymore. And so I decided, you know what, I'm going to just turn around. I got really delayed, so when I did finally reach Alaska, one of the most beautiful places on this planet, and I think I can say that now, I was late, and so my Russian visa expired, and I ended up being there for a month, stuck in a place called Nome, Alaska, and it got really cold really quickly. It was in November at the time, and I got really worried about Siberia. Siberia, I was seeing the temperatures drop every single day to the point where it was about minus 25, minus 30 degrees Celsius on average. And I wasn't sure how my plane would cope with that. So the whole time during that month, tensions was building up. I was a little bit nervous. But finally, I'm able to leave. And Siberia is one of the most beautiful places on this planet again. I also think I can say that. And it was strange because for the first time in my life, I saw a frozen ocean. And one of the most remote places on this planet, I would easily fly for 1,000 kilometers and not see a single human being, a single human structure, roads, cable, whatever it is. And no trees either, so just nothing really alive. Which is really tough, because again, if the engine quits, I suddenly find myself in minus 35 degrees Celsius, where rescue is hours and hours away. I ended up being stuck there for a month again, stuck in a small town with 800 people. And the town was only accessible by air. There were no roads leading out of the town, and only two people spoke basic conversational English. And I learned to appreciate a different kind of life where you fished and you hunted for your own food. But yet, you know, in their homes, they were the most beautiful smart screen TVs. So very strange, very strange again to what I was used to. But incredible people and a lot of fun in the end. This is from my flight when I was leaving Russia. If you're wondering what I did, I ended up actually going straight and hoping for the best. See what happens. It ended up being fine. I got to Seoul. Actually, luckily, there was no cloud. Sometimes water will actually play illusions on you. And it's on that same flight where I actually asked the KLM pilot for help. So what I would do is sometimes there's planes flying above and you can talk to them. You can relay to them if you're too low to contact, by the time, Tokyo directly. And so I spoke to him and I said, hey, can you just let Japan know where I am so they don't just see a random small plane flying very low on their radar and might think there's something suspicious going on. I then headed further down the equator. I was headed towards Indonesia. Indonesia is not too far. It's pretty, a little bit north from Australia. So again, first time there in my life. It was amazing. I really enjoyed it. Dealing with thunderstorms, it was a bit of a challenge. And from there, I was heading home.
I was flying home. I was originally supposed to fly through Bangladesh and northern India, but because the air pollution was so bad, you couldn't actually see well enough to fly. I calculated it, and my plane is flying at 300 kilometers per hour, and at that velocity, I had 18 seconds before seeing a mountain and reaching it. That's how poor the visibility was. So instead, I'm going to Mumbai. Mumbai was a little bit better, but honestly not too much. It looked a bit like this. So if you compare that to a blue sky here in Belgium right now, like today, you can see there's a huge contrast there. Dubai, from Mumbai, I'm heading to Dubai. That was my longest flight. It was 8 hours. I was tired and I was done. And finally, I'm about to land when the controller says to me, "Sorry, you can't land. There's a thunderstorm over the airport right now." A thunderstorm in Dubai. I was so confused. But sure enough, apparently they were doing what's called cloud seeding, where they were purposefully messing with the weather. Again, I was kind of shocked. I didn't know that was really a thing. And I was, we can already question the environmental impacts of that. But then after that, it was an easy way home. The next stop was Saudi Arabia. I loved Saudi Arabia. I was flying quite low to try and take selfies with the camels. It was great. And before I knew it, I was back home in Europe. And it was great. But there's a few things I took away from it. I think the first one was that, well, the first thing is that the world is so small. I know that sounds strange. It took me 5 months to fly around it. But whereas before, I might think, well, South Korea is so far away, it might as well be on a different planet. It's so far away. Now I'm kind of thinking, well, actually, it's right around the corner. And the second big thing is to kind of, this whole time, throughout my childhood, I thought it's impossible to fly around the world, so I'm not even going to bother trying it. But the thing is, it wasn't. And with that's the attitude is actually what made it impossible. And so if there's anything you want to do, if there's any dream you have, whether it is to become an astronaut or whether it is to learn a new language or a new instrument, it's important to say, yeah, let me do this 100% and put all of my effort into it. Thank you very much. Wow, thank you, Zara Rutherford, for this very inspiring and motivating talk. Wat een rolmodel is me dat, dames en heren. Zara heeft dus wiskunde gestudeerd tijdens het middelbaar, gaat naar Stanford computerwetenschappen studeren, maar ze is daarmee helaas nog één van de uitzonderingen. En nochtans is onderwijs de eerste belangrijke stap om meer vrouwen in ICT-jobs te krijgen. Nous allons discuter du rôle de l'enseignement avec le panel. Il y a des représentants de différents cabinets. On va aussi accueillir une représentante de l'Université de Namur, du comité Femmes et Sciences, une députée et aussi un producteur de jouets d'enfants. Goedendag, welkom allemaal. Stéphanie Cortis, vous êtes députée auprès du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a plein de choses qui se passent là, mais la première chose pour commencer à motiver des filles d'aller vers des études STEAM, c'est très simple, on n'y pense peut-être pas, mais c'est d'avoir un ordinateur. Combien d'élèves en Wallonie à Bruxelles n'ont pas d'ordinateur? Mais il y a énormément d'élèves qui n'en ont pas. Et ce que la Fédération Wallonie-Bruxelles a voulu faire via la stratégie WIT qu'elle a intégrée dans son plan de promotion du droit des femmes, mais aussi dans sa stratégie numérique pour l'éducation, qui a été accélérée par la crise sanitaire, c'était déjà prévu dans le pacte pour un enseignement d'excellence, ça a été accéléré avec la crise sanitaire, c'est de fournir des stocks d'ordinateurs aux écoles, en tout cas dans un premier temps aux écoles secondaires, mais aussi aux élèves. Donc on a fourni ces stocks d'ordinateurs pour 5% minimum de chaque population scolaire dans chaque école, avec un montant de 500 euros par ordinateur, ce qui a permis d'équiper 532 écoles pour 24 000 ordinateurs ou tablettes. Ça équivaut à une école sur quatre. C'est un montant de 9 millions d'euros. C'est déjà un grand pas en avant. Ça, c'est pour les stocks d'ordinateurs. C'est déjà le début, mais donc pas encore toutes les écoles ont ça. Non, mais à côté de cela, nous aidons les élèves à se fournir eux-mêmes un ordinateur via une subvention de 75 euros.
de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur l'achat ou la location de matériel numérique fourni par les écoles ou le pouvoir organisateur. Et là, c'est un montant de 15 millions d'euros qui a été dégagé pour fournir ces ordinateurs. Ça, c'est pour l'enseignement obligatoire. Dans l'enseignement promotion sociale aussi, nous avons développé une stratégie numérique avec l'aide des fonds européens. Et alors là, on a 16 000 ordinateurs pour environ 7 millions d'euros. Donc c'est vraiment une stratégie de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque comment veut-on que des femmes ou des garçons se dirigent vers les filières STEM et digitales si, en premier lieu, ils n'ont pas le matériel informatique. D'accord. Donc on espère que ça va susciter des vocations. D'accord. On peut avoir le matériel, mais il faut être capable de travailler avec un ordinateur. Et pour cela, vous engagez aussi des technopédagogues pour une durée de 4 ans. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, les technopédagogues sont engagés pour 4 ans dans l'enseignement de promotion sociale. C'est les fonds européens qui nous permettent de les engager sur 4 ans. C'est 16 équivalents temps plein. Dans l'enseignement obligatoire, ce n'est pas sur 4 ans, c'est vraiment à long terme. On a engagé 41 technopédagogues. À nouveau, ça a été accéléré, ça a dû... On aurait dû les engager jusqu'à 2025. On les a tous engagés en 2021 avec la crise sanitaire. Et est-ce qu'ils aident les élèves ou les professeurs? Non, ils aident plutôt les professeurs et les écoles. En fait, et alors il faut aussi les distinguer du rôle d'un technicien qui viendrait réparer les ordinateurs. Ça dépend plutôt ça des régions. À la Fédération Wallonie-Bruxelles, ici, la stratégie mise en place, ce sont des technopédagogues dans chaque fédération de pouvoir organisateur qui vont dans les écoles aider pour les stratégies numériques, dans les plans de pilotage des écoles, aider les enseignants à construire leurs cours avec les outils numériques ou encore aider les écoles à développer et à répondre à des appels à projets numériques. D'accord. Jan Smits, u werkt voor het kabinet van Vlaams minister-president Yann Jambon. U bent daar onder andere ook met digitalisering bezig. Ook in Vlaanderen doet men meer dan alleen maar computers en tablets geven. Jullie hebben programma's als Digisprong of de Digitale School. Wat gebeurt daarmee? Wat doen jullie daar? Wel, ik was eigenlijk in de voorbereiding naar hier, realiseerde ik mij dat het STEM actieplan eigenlijk, dat is eigenlijk 10 jaar oud. Hè? Dus de problematiek waar we vandaag mee aan de slag gaan, die dateert al wel een beetje. En vanuit Vlaanderen hebben we altijd ook een meer algemene insteek genomen. Hè? Niet specifiek gericht naar vrouwen, maar wel naar een bredere insteek. Nu dat gezegd zijnde, moet ik toegeven, we hebben ons agentschap Digitaal Vlaanderen. Hè? Dat wordt geleid door een vrouw. Hè? De helft van het directiecomité zijn vrouwen. Hè? Dus we zien duidelijk wel die inzet die we daar gerealiseerd hebben. Nu specifiek rond Digisprong is eigenlijk een versnelling ten opzichte van wat we al deden. En in het hele plan Vlaamse Veerkracht hebben we ongeveer 900 miljoen gereserveerd voor digitalisering, waarbij de derde pijler, al inzetten in talenten, eigenlijk een belangrijke of niet de belangrijkste is. Digisprong maakt daar een deel van uit. En daar spreken we toch over een investering van 375 miljoen euro. Als we dat vertalen naar jaarbudgetten, dan komt dat ongeveer neer op een vertwaalfvoudiging van de jaarbudgetten die we eigenlijk daar investeren. En dat is inderdaad zeer gelijklopend. Een investering in toestellen en infrastructuur, in opleidingen en in omkadering. Want dat zijn de drie elementen die natuurlijk enkel en alleen een succes kunnen waarborgen. Waarom mikt u niet specifiek ook op meisjes en op vrouwen, maar pakken jullie het meer algemeen aan? Waarom die keuze? Wel, ik denk, en de eerdere sprekers hebben er ook al naar verwezen, het is natuurlijk een economische realiteit dat we vandaag een skill gap hebben. En om die in te vullen moeten we eigenlijk een bredere beleidsinitiatieven nemen dat enkel gericht op bepaalde segmenten. En natuurlijk is het wel de bedoeling om iedereen mee te nemen. Maar dat doen we door het zo breed mogelijk aan te bieden binnen het onderwijs in de eerste plaats. Omdat we iedereen nodig hebben in dat soort jobs. Catherine Bernard, de la faculté d'informatique de l'université de Namur. Vous êtes là. Bienvenue. C'est vous alors qui connaissez toutes les études et toutes les enquêtes qui expliquent pourquoi les filles ne choisissent pas les filières STEAM. Alors, c'est pourquoi?
Donc, en fait, je ne dirais pas que je connais toutes les enquêtes et toutes les études, mais en plus, je dirais en général, je connais plus les études orientées secteur numérique. Mm-hmm. Mais oui, c'est un fait. Les filles, dans le domaine des sciences, vont favoriser les sciences de la santé plutôt que les STEAM. Et il ressort de ces enquêtes que c'est principalement parce qu'elles ont effectivement un manque de confiance dans leurs compétences en matière STEAM et aussi qu'elles valorisent un métier de l'humain. Une des choses aussi qui ressort, c'est que ces filles ont des appréhensions par rapport à ces études et ces métiers peu féminisés. Une chose aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est la notion de stéréotype, et ce, dès le plus jeune âge. Une enquête récente de Jeanne de Scan en 2021, c'est la première fois que la Belgique francophone participe à cette enquête, fait ressortir que 6 étudiantes sur 10 disent avoir été découragées de suivre des formations dans le domaine du numérique. Découragées par qui ? Le domaine, plutôt l'environnement familial, okay, et les enseignants, oh, du primaire et du secondaire. Voilà. Juste pour vous donner une idée des chiffres, pour cette enquête, il y a eu 650 étudiants qui ont répondu pour la Belgique et plus ou moins 2600 pardon, pour l'Europe. Et alors, je dirais que ce qui ressort comme stéréotype, c'est les stéréotypes classiques. Il faut être geek, donc j'entends geek ici, comment dire, passionné par les nouvelles technologies. C'est un métier d'homme. Tu seras isolé. Tu n'as pas les compétences. Il faut être très, très fort en mathématiques. C'est un métier peu créatif. Enfin, ce genre de choses. Voilà. Après, pour terminer quand même sur une note positive, c'est que l'enquête montre également que parmi ces jeunes femmes qui ont été interviewées, 89% sont très satisfaites de leur choix d'études. Parce que la discipline est intéressante et aussi les perspectives d'emploi. Ouais. Il y a d'autres pays européens où il y a un peu plus de filles qu'en Belgique qui font le choix. Comment vous expliquez ça ? Qu'est-ce que ces autres pays font que la Belgique ne fait pas encore ? Ah, alors ça, c'est une question difficile. Après, je pense que le problème donc, de la sous-représentation des jeunes femmes dans ces filières est un problème européen, et c'est plutôt dans des pays non européens. La Malaisie est souvent citée en exemple, où on observe, on se rapproche de la parité. Après, bon, il y a certainement plusieurs leviers, et l'un d'eux est certainement l'enseignement. Je pense que au niveau de l'enseignement, même s'il n'y a pas de, comment dire, on ne dissuade pas ces jeunes filles de s'engager dans ce type de formation, on ne les persuade pas de le faire non plus. Et il y a certainement un travail à faire, donc de sensibilisation à cette question, et aussi de montrer ce que c'est que vraiment la diversité des sous-domaines de l'informatique. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, l'informatique, dans la tête des gens, c'est école de code, programmation. C'est ça, mais ce n'est pas que ça. Et on sous-estime, je dirais, tous les autres domaines. Mmh. Voilà. Donc, j'ai entendu stéréotypes, des facteurs psychologiques, le rôle de l'enseignement. Je voudrais avoir des réactions des autres membres de cabinet. Mathilde Delforge. Vous travaillez pour la ministre de l'Emploi, de la Formation et de l'Égalité des Chances, Christy Morial, du gouvernement wallon. Qu'est-ce qui se passe en Wallonie pour encourager des filles pour quand même aller étudier ce genre d'études, malgré les problèmes qu'on vient d'entendre? Alors effectivement, la ministre étant ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, mais également à cœur les droits des femmes. Elle a à cœur de mettre dans toutes les politiques qu'elle mène la dimension genre, et notamment dans le cadre du plan de relance de la Wallonie, donc qui a été approuvé par le gouvernement wallon en 2021, et dont un projet qui est destiné à mettre en place un plan coordonné de promotion des métiers, filières, compétences, de métiers porteurs, mais également de sensibilisation au STEAM. Et donc ce plan vraiment a pour but d'une part de mettre en place, il y a plusieurs activités dans ce plan, et les premières activités concernent l'identification des besoins des publics cibles, donc notamment les bénéficiaires finaux, donc les élèves, mais aussi les parents et les enseignants, mais également les acteurs de l'orientation. Et donc, dès déjà cette étape, il y a vraiment une dimension genre qui sera portée, notamment par rapport aux stéréotypes dont on vient parler. Et alors, la deuxième étape, ou en tout cas ce qui se fait parallèlement, c'est de compléter l'inventaire des actions et des acteurs qui existent aujourd'hui en Wallonie, et donc pour voir un peu les synergies. Et sur cette base-là, un plan d'action va être mis en œuvre, et en tout cas va être défini, et avec pour objectif, voilà,
de combler un manque en termes de promotion des métiers compétences et filières, notamment en STEAM. Je précise STEAM dans le terme anglais, on a rajouté le A pour le volet artistique, notamment qui va permettre justement de développer des compétences en plus créatives. D'accord. Et en termes d'innovation. Donc on est très large. Et donc ce plan, toute l'élaboration de ce plan, on va porter une attention avec une dimension genre très forte pour lutter contre les stéréotypes dans l'orientation scolaire et professionnelle. Mmh. Et d'autre part, on travaille également sur base des acteurs de l'orientation, donc la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la région Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française. On travaille sur un dispositif unique sur l'orientation tout au long de la vie, parce qu'effectivement, on vise les jeunes, mais on vise aussi les travailleurs et les futurs travailleurs. Et donc, pour ce dispositif, il a été initié des actions qui visent à sensibiliser les conseillers en orientation, donc les conseillers des cités des métiers, qui sont là pour justement orienter tout citoyen. En Wallonie notamment, mais également à Bruxelles, et donc pour les sensibiliser à la dimension genre en fait dans leur métier d'orientation. D'accord. Et pour leur donner également, il y a toutes des actions qui vont être mises en place et pour les outiller, les former en ce qui concerne justement cette dimension genre et les stéréotypes pour pouvoir justement permettre aux femmes dès l'amont en fait et aux jeunes filles d'être orientées avec toutes les bonnes bases. D'accord. Stéphanie Lepchinski, vous travaillez pour la secrétaire d'État bruxelloise, Barbara Tracht. Aussi à Bruxelles, il y a de nombreuses initiatives pour former, pour sensibiliser, mais on vient d'entendre que il y a aussi un facteur psychologique qui est très important, la sous-estimation de ces filles. Qu'est-ce que la politique peut changer à ça, ou est-ce que la politique peut changer ça? J'espère bien, oui. Et selon moi, il y a deux axes d'action politique majeure. Le premier, c'est que les pouvoirs publics se doivent de corriger en fait les bugs de notre société, pour filer la métaphore numérique. Comme le disait Madame Bernard, un bug de notre société, c'est le fait que ces filles et ces femmes se sentent sous-représentées dans l'estime. Et donc, pour corriger cela, en région bruxelloise, nous travaillons à beaucoup d'actions de sensibilisation. Et il y en a notamment une en ce moment qui est très populaire et qui est d'actualité. C'est le prix WATS, pour Women Ambassadors for Technology and Science, qui est un prix décerné par Innoviris tous les deux ans à une bruxelloise technologue ou scientifique qui s'engage à aller promouvoir la science et les technologies dans les écoles. C'est très important que ça se passe dans les écoles parce que du coup, on peut toucher vraiment tous les publics socio-économiques. Et j'en profite, donc l'appel à candidature est ouvert sur le site d'Innoviris. Donc si vous êtes bruxelloise et passionnée de technologie et de sciences, je vous invite à candidater. Le deuxième axe, selon moi, c'est les pouvoirs publics se doivent d'écouter, en fait. Écouter tout simplement les expériences de ces filles, de ces femmes, celles qui se sentent sous-représentées, celles qui ont choisi ces filières et qui éprouvent des difficultés, celles qui ont choisi ces filières et qui ont réussi. Avec la secrétaire d'État Tracht, nous rencontrons beaucoup de ces femmes et on apprend beaucoup de leurs expériences. Et quand on entend que voilà, le message se répète, on essaye d'adapter en fait nos outils et nos instruments. Et donc, je prendrai l'exemple de l'entrepreneuriat, qui est une voie particulière et vraiment émancipatrice vers l'emploi. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que l'entrepreneuriat aujourd'hui, quel que soit le domaine dans lequel on veut entreprendre, quel que soit le secteur, on a besoin de ces compétences digitales. Que ce soit pour avoir une présence sur le net ou bien pour maîtriser un CRM ou bien pour faire du marketing digital. Et donc, en fait, suite à ces constats-là, on a lancé en 2021 un appel à projet qui s'appelle « Soutien aux entrepreneurs et à l'accompagnement à la transition numérique » qui a permis, du coup, de soutenir des projets de femmes, d'entrepreneuriat des femmes. Mmh. Donc, voilà. Oui, je voudrais lancer la même question aux autres représentants de la politique. Cette question psychologique est quand même très importante. Est-ce que c'est quelque chose que la politique peut changer? Is dat iets wat het beleid kan veranderen, denkt u, meneer Smet?
Wel, ik weet niet of we het kunnen veranderen. Ik denk dat we wel een aantal bijdragers kunnen doen. En als ik inderdaad het gesprek hoor, dan zou ik al minstens een poging ondernemen om de term ICT te laten vallen. Hè, omdat ik toch hoor dat er heel wat associaties zijn hè, met ICT, servers, netwerken, code, hè, die toch niet allemaal zeer uitnodigend klinken. Terwijl digitalisering gaat over ja, business doen, dat gaat over problemen oplossen. Waar dat ik denk dat de skillset van vrouwen heel goed gepast is. Dus ik denk door het anders te positioneren, dat we al een hele stap zouden kunnen zetten. Donc on peut changer de vocabulaire. Max Munich, du cabinet de la ministre de l'Emploi, Isabelle Wijkmans. Nous sommes en communauté germanophone. Comment ça se passe chez vous? En fait, nous sommes aussi inscrits dans cette optique plutôt économique du problème. Et c'est dans ce sens que nous trouvons la combinaison entre l'éducation et la politique de l'emploi très intéressante. Et pour nous, la préparation pour l'emploi, ça commence déjà dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça que dans le cadre de l'éducation, dans le sens large du terme, nous avons une triple approche. Donc, premièrement, nous avons créé des unités ou des programmes pour les unités d'enseignement déjà existantes, pour s'intégrer là-dedans et pour permettre à tout jeune, que ce soit fille ou garçon, de rentrer en contact pour une première fois avec la thématique du numérique, pour pas dire digitalisation ou TIC, pour nous, c'est le numérique. Et voilà, ça s'intègre dans les cours d'école classique pour toucher tout public et plus éloigné ou plus proche de la thématique. Ensuite, nous avons des ateliers pour les vacances qui sont nés d'une collaboration entre des écoles et des représentants de l'industrie et de l'économie. Et là, on vise plus précisément à démontrer, à décrire des profils professionnels tels qu'ils existent et tels qu'ils peuvent exister dans le futur, justement pour permettre aux jeunes de rentrer en contact avec cette profession et de peut-être déjà faire un petit choix pour leur orientation professionnelle future. Et ça se passe dans les écoles secondaires? Ça se passe déjà dans les écoles primaires et aussi secondaires. Donc on est vraiment dans cette optique de commencer très tôt pour déjà mettre cette thématique sur la table. Et troisièmement, nous avons installé maintenant un grand atelier des médias et du numérique où on amène les nouvelles technologies telles que ça existe sur le marché, des lunettes de réalité virtuelle, des imprimantes 3D, etc., pour vraiment démontrer aux jeunes que c'est eux qui peuvent manipuler la technologie, que c'est eux qui peuvent créer avec la technologie et que ce n'est pas eux qui subissent la technologie. Donc vraiment pour avoir une démarche proactive par rapport à tout ce qui est digitalisation, technologie, etc. Oui. Mais pour faire ça, il faut d'abord maîtriser la technologie, évidemment. Tout à fait, oui. Et c'est ça que, voilà, avec cette combinaison, on veut arriver à maîtriser et surtout aussi à donner la confiance, comme ça a été dit, d'avoir une position active par rapport à ça et de ne pas avoir un sentiment d'infériorité par rapport à la technologie. Je comprends. Angélique Léonard, vous êtes professeure et également membre du comité Femmes et Sciences. Quand vous entendez tous ces plans et stratégies, est-ce que ça suffit selon vous ou est-ce qu'il faut quand même faire encore plus de choses et peut-être commencer encore un peu plus tôt? Alors, je vous aurais peut-être répondu ça il y a quelques temps, mais la démarche, on va dire la réflexion évolue parce que si je prends ma position en tant que membre du comité Femmes et Sciences, une de nos missions, c'est de favoriser une meilleure égalité de genre au niveau des carrières scientifiques et académiques. Mais encore faut-il que les filles arrivent jusqu'au niveau master, puis après doctorat, puis éventuellement continuer et poursuivre la carrière. Et donc, déjà, on a un premier souci, c'est que, comme on l'a dit, très peu de filles, il y a finalement peu de professeurs, et donc il n'y a pas non plus des rôles modèles, quelque part, accessibles, auxquels les filles peuvent s'identifier pour les carrières. Donc, c'est un premier point. Donc, si on veut repartir de plus bas et voir comment faire pour finalement attirer plus de filles vers ces filières, je pense, en fait, que aujourd'hui, un moment clé au niveau des secondaires, ce sont les choix d'options qui vont après finalement permettre de choisir certaines filières d'enseignement. On se rend compte déjà, nous, parce que je suis prof dans une faculté de sciences appliquées où on forme des ingénieurs, notamment en informatique, mais également des masters en sciences informatiques, c'est que finalement, il y a deux, on va dire, points principaux. Il y a le poids quelque part des parents. Et la vision qu'ont les parents pour leur métier de leurs enfants. Et parfois, ces métiers-là sont mal connus. Et on se rend compte que beaucoup d'étudiants qui arrivent chez nous, c'est parce qu'ils ont, via des connaissances, via leur famille, des gens qui travaillent dans l'informatique, dans l'ingénierie. Et donc, ça, quelque part, ça a dédramatisé ces métiers et ça les a fait mieux connaître. Ça dédramatise, oui, mais wow. Tout à fait, non, mais c'est un point important. Oui, non, mais et quand je parle avec d'autres mamans, finalement, qui ont des enfants qui sont en secondaire, elles me disent, mais les cours d'informatique, quand il y en a,
souvent c'est de la bureautique, c'est loin du codage. Et donc le problème aussi, c'est que peut-être qu'on ne leur donne pas les bonnes clés au niveau des filles pour aussi se rendre compte de exactement c'est quoi un métier d'informaticien, ça peut être quoi, ou d'informaticienne, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les études, et elles se sentent aussi démunies. Et donc je pense qu'il faudrait revoir peut-être aussi l'enseignement de l'informatique en secondaire. Ce n'est pas mes compétences, ça c'est clair, mais je pense qu'on peut capitaliser sur quelque chose d'assez important. C'est aussi le fait qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, l'enseignement et les bassins d'enseignement sont structurés en pôles. Et je pense particulièrement, parce que je viens de là, à des provinces qui sont plus rurales, moins densément peuplées. On peut penser aux provinces de Luxembourg, le sud de la province de Namur. Ces écoles-là, parfois, elles sont très peu touchées par ce qui se passe à Bruxelles, ce qui se passe finalement dans les villes. Et pourquoi ne pas susciter l'organisation d'événements? Peut-être sur quelques jours, on pourrait rassembler à la fois les garçons et les filles avec des personnes compétentes pour finalement les initier à ces métiers, les initier au codage et vraiment faire en sorte de sensibiliser d'autant plus pour attirer au final les filles dans ces filières. Sur place, vraiment sur place. Sur place, vraiment. Oui, je pense que c'est important d'aller dans la réalité des gens, dans le concret, aller vraiment parler aux filles, mais aux garçons également, dans les écoles. Et je pense que vraiment le secondaire, c'est clé par rapport au choix d'options, etc., de ce que seront ces métiers-là. Mais je pense que, et vraiment les experts le disent, si vous pensez à Chantal Morlet, Isabelle Collet, vraiment mettre en place des options obligatoires, ou en tout cas des cours obligatoires en informatique, mais qui sont revus en termes de contenu, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Mmh. Comment est-ce qu'on peut toucher aux parents et aux familles? Parce que si je vous entends dire, oui, c'est souvent les familles qui disent aux filles, il ne faut pas faire. C'est pas une question de l'enseignement. Comment est-ce qu'on peut alors dire aux familles, informer les familles et les parents? Alors là, j'ai pas toutes les clés, mais je pense que des campagnes d'information dans des médias, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Je pense qu'à ce moment-là, il y a peut-être au niveau des différents ministères des budgets qui pourraient être déployés pour avoir des campagnes de communication qui seraient ciblées dans différents médias pour essayer d'approcher ou d'atteindre les parents pour aussi les persuader que ces carrières-là, elles sont tout à fait dignes d'intérêt et très épanouissantes également pour les filles et quelque part lever en partie les freins. C'est vrai que nous, on a souvent dit, de par notre notre déficit d'attractivité parfois dans les filières d'ingénieurs. S'il y avait dans les télévisions des séries où on mettrait quelque part en scène des ingénieurs, des informaticiens, mais au féminin, et pas seulement des médecins dans les hôpitaux, il y a toute une série, de séries médicales qu'on a vu naître ces dernières années, quelque part, on se dit que ça a eu un impact sur l'attractivité de ces métiers dans le médical. Et ça manque dans le high-tech. L'importance des rôles modèles aussi dans les médias. Voilà, mais pas avec de nouveau des stéréotypes, parce que parfois dans certaines séries, on voit que de nouveau, ce sont des filles plutôt avec un look masculin, qui sont des geeks, mais avec toute la féminité qu'on peut retrouver également pour certaines informaticiennes, etc. Et donc je pense qu'il y a aussi quelque part des choses qui pourraient être faites à ce niveau-là. Je vois des réactions. Oui, effectivement, par rapport au fait de toucher les parents, c'est une nouveauté cette année par rapport au StarTech Days. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet événement organisé par World Skills Belgium, qui comprend justement tout un volet de promotion pour faire découvrir les métiers à la base où sont visés les enfants du primaire ou du secondaire avec les enseignants. Et donc cette année, il y a un troisième jour qui se fait le dimanche justement pour que les parents puissent participer à cet événement où les enfants peuvent essayer, par exemple dans les métiers STEAM. Mais des imprimantes 3D, etc. Et, c'est très, très grand. Ça se passe à Cinexpo. Et les parents vont pouvoir justement découvrir plein de métiers lors de cet événement. Vous voudriez aussi réagir? Oui, je voulais dire en fait que l'enquête GenderScan corrobore ce qui a été dit. C'est que je dirais que ces jeunes filles qui, pour finir, donc, ont été dissuadées de s'engager dans ces formations, mais qui se sont quand même engagées dans ces formations, l'ont été parce qu'elles ont été portées par des réseaux sociaux, elles ont été portées par des séries, ce genre de choses. Oui. Peut-être moins par les rôles modèles, mais les rôles modèles parce qu'ils sont mal exploités. On parle des rôles modèles de ces très, très, très grandes personnalités auxquelles elles ne s'identifient pas, mais plutôt, je dirais, à des jeunes femmes qui leur sont proches et qui leur parlent. Voilà. Et là ça peut marcher. Voilà. Donc, effectivement. Commencer très tôt, on a entendu briser les stéréotypes aussi dans le monde des jouets. On peut faire ça, Albert Vallejo de Mattel, bienvenue. Mattel est un des grands producteurs de jouets. On vous connaît de Barbie, Fisher-Price, Uno, Pictionary. Alors, qu'est-ce qu'en fait vous faites? Enfin, vous dites que vous, à travers vos marques, vous fournissez des outils d'émancipation aux jeunes filles. Vous les avez avec vous, vous pouvez les montrer. C'est Noël avant l'heure. Effectivement, chez Mattel, on travaille très dur pour non seulement apporter le fun et l'apprentissage aux enfants, mais aussi des outils d'émancipation aux petites filles.
Et voilà, on travaille sur, basiquement sur 5 piliers chez Barbie, qui est d'ailleurs la marque de poupée la plus vendue au monde. Juste pour que vous voyez la dimension, on vend environ 100 poupées par minute. Par minute. Donc l'impact est fort et on sait aussi que évidemment les jouets sont un outil d'ordre majeur quand il s'agit de pédagogie et d'éducation, mais pas tout le poids devrait tomber sur les jouets quand il s'agit des stéréotypes, mais on fait une apportation là-dessus et alors on travaille sur 5 axes. Le premier, c'est les produits même, évidemment. Par exemple, on a une ligne depuis des années. Hein, on a une ligne appelée Barbie Careers. Voilà, on a par exemple la Barbie Présidente, mais on en a beaucoup d'autres et toutes les années, ça se renouvelle. Puis, on a aussi une série... Et présidente, comme dans Président des États-Unis. Présidente des États-Unis, oui. D'accord. Rouge et bleu, démocrate et... Ah oui, les deux parties sont... Oui. On ne prend pas de risque. Et... On ne veut pas perdre la moitié du marché, non plus. Voilà. Donc, effectivement, on a aussi une autre ligne, par exemple, qui s'appelle Inspiring Women. Mm-hmm. Et on fait des poupées, par exemple, d'Eleanor Roosevelt, Rosa Parks et d'autres femmes qui ont marqué l'histoire. Et c'est pour inspirer les filles. Et toutes les années, on apporte de nouveaux rôles, role model, là. Mm-hmm. Puis, évidemment, on a aussi des contenus. On est très présent sur, par exemple, YouTube. Chez YouTube, on a Barbie à 11 millions de followers. Et c'est la chaîne la plus suivie par les petites filles au monde. Donc c'est un canal très important pour expliquer, passer des messages positifs. Là, par exemple, Barbie est vlogueuse et poste des vidéos. Oui. Et qui sont très vues, qui ont un impact vu par des millions d'enfants. Et par exemple, là, on a posté une vidéo sur le réflexe de dire pardon des filles. Pourquoi elles doivent dire pardon toujours, les filles et les femmes. Puis une autre vidéo sur une rencontre avec l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti. Wow. Voilà. Puis, par exemple, on a lancé une campagne qui s'appelle Imagine the Possibilities il y a quelques années, qui a, je regardais hier, il y a 27 millions de personnes qui l'ont vue. Je vous encourage à le visiter parce que c'est très drôle et c'est vraiment, ça donne beaucoup d'idées. Uh-huh. Évidemment, à part le contenu aussi, il y a la recherche, on contribue à la recherche. Une recherche qui est importante parce que ça a démontré qu'à partir de l'âge de 5 ans, les petites filles commencent à penser qu'elles ont moins de capacités et moins de chances que les garçons. Déjà à cet âge-là? Déjà à 5 ans. Oh. Donc, on travaille dans le contexte de notre projet Dream Gap pour soutenir les filles et aussi des organisations qui donnent des outils d'émancipation. Et on fait des dons de centaines de milliers de dollars aux États-Unis toutes les années. Mm-hmm. Donc, à part ça, et ça a été mentionné ici, on travaille avec des role models, mm-hmm. les vrais. En France, par exemple, l'année passée, on a travaillé avec la capitaine de football Amandine Henry, de l'équipe féminine de football. Ici, en Belgique, on avait collaboré avec Angélique Van Ombergen, qui est une jeune promesse de l'astrophysique. Et elle travaille à l'Agence spatiale européenne. Wow. On avait travaillé avec elle. Et par exemple, l'année passée, on a honoré les héroïnes du Covid. C'était des infirmières, des médecins, des scientifiques. On a lancé toute une campagne mondiale pour les honorer dans plusieurs pays. Mmh. Au UK, au Royaume-Uni, c'était Sarah Gilbert, qui est une scientifique qui a aidé à trouver le vaccin. Oui. C'est un peu plus que seulement vendre des jouets. Les réactions du panel, c'est une bonne idée, c'est bien ce que fait Mattel, ça pourrait aider. Ik denk dat wel, hè. Absoluut. Ik denk dat en dan kom ik terug op wat er al gezegd is, ik denk de beeldvorming, hè, die moet natuurlijk zo snel mogelijk en zo goed mogelijk worden aangepakt. En ik denk dat heel instrumenteel is, hè, wat dat daar gebeurt. Ik denk ook dat een argument is om heel vroeg, hè, in de kleuterklas, ook al te beginnen met die processen. Hoe sneller, hoe beter, zou ik bijna zeggen. Om iedereen inderdaad dat met de vingers en met de paplepel mee te geven, zo snel mogelijk. Ja, au fait, le dernier pilier, c'est peut-être notre collaboration avec des entités qui ont un impact.
Donc, l'année passée, on a renouvelé notre collaboration avec l'Agence spatiale européenne. Mm-hmm. On a lancé cette magnifique poupée à l'effigie de la seule, c'est la seule femme astronaute en Europe, mm-hmm. elle est italienne. Et elle a collaboré avec nous, elle s'appelle Samantha Cristoforetti. Et on a le privilège d'annoncer qu'elle va emporter cette poupée, une copie de la poupée, à l'espace cette année, car elle va être la nouvelle commandante de la station ISS. Wow. Et à part évidemment l'Agence spatiale européenne, on collabore avec l'OCDE par exemple. Maintenant, après cet événement, je pars à Madrid. J'étais invité par l'OCDE pour parler exactement des mêmes sujets. Donc, on est sollicité pour partager cette expertise et ces idées. Non mm-hmm. Et c'est important aussi, j'ai collaboré aussi avec le gouvernement français qui, pour la troisième année, vient de signer, et on a signé ensemble, une charte contre les stéréotypes de genre dans les jouets. C'est très spécifique, c'est unique mondialement, et la Belgique va suivre, si j'ai bien compris. Je suis aussi dans ces travaux. Et voilà. Et aussi, d'accord. On a travaillé avec les Nations Unies, UN Women, dans plusieurs projets, le jour de la femme, l'alliance contre les stéréotypes de genre dans la publicité. Et aussi, quelque chose d'intéressant qu'on a fait, c'est qu'on a aussi une marque qui s'appelle Thomas et ses amis. C'est un train. Et on a rédigé les scénarios avec les Nations Unies, avec l'agence de UN Women, pour être sûr que les personnages étaient vraiment au même niveau, le personnage féminin, masculin, et que c'était pas misleading. D'accord. Mais ce que je vais retenir, c'est Barbie in Space, spectaculaire. Stéphanie Lepchinski, vous allez réagir aussi. Oui, pour votre question, moi je trouve ça fantastique en fait que au niveau du jouet, on s'engage. Il y a eu un appel aux industries culturelles et créatives avec le cinéma, etc. Nous, au niveau politique, on fait aussi notre part, que ce soit pour aller directement vers ces filles et ces femmes, aller vers les parents. À Bruxelles, on a le festival I Love Science Festival, qui est vraiment un événement grand public pour les familles, les scolaires. Et en fait, je trouve que la discussion qu'on a ici aujourd'hui montre vraiment qu'il y a cette coalition en fait de tous les secteurs, et pour vraiment aller vers plus de représentation des filles et des femmes dans ces secteurs-là. Et donc, je voulais saluer cette dynamique. Stéphanie Cortis. Peut-être pour rebondir également, moi, je suis ravie d'entendre que tous les secteurs se sentent concernés par les stéréotypes, par le fait de vouloir augmenter l'attractivité vers les filières STEM, au sens large STEAM plutôt. Ça ne concerne, on demande beaucoup à l'enseignement, on demande beaucoup au secteur de l'éducation. C'est un secteur effectivement qui doit faire une priorité du numérique et des autres filières technologiques, mais il faut aussi que les autres secteurs de la société s'y mettent. On a parlé des médias, on parle du monde économique, et donc c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Et pour enchaîner sur les projets qui sont prévus, on a parlé de projets wallons, de projets bruxellois. Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a notamment le Printemps des sciences qui est organisé chaque année sous la houlette de la ministre de l'enseignement supérieur, la ministre Glatini, pour toucher les jeunes justement qui sont dans le primaire, dans le secondaire et leurs parents. Ça s'organise dans les universités, ça va être élargi à toutes les écoles de l'enseignement supérieur. Donc je pense que c'est vraiment ce genre de projet et tous les secteurs unis qui doivent faire bouger les choses. Mm-hmm. C'est un travail à longue durée qui est très large également, mais les représentants de la politique ici, est-ce que dans vos plans et stratégies, il y a aussi des chiffres, des buts très concrets, par exemple, à la fin de la législation, on doit avoir tous les étudiants dans les filières STEAM, un quart doit être des filles. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce qu'il y a des buts concrets inscrits dans vos plans et stratégies? Alors, la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque vous connaissez la particularité côté francophone, mm-hmm. on a l'emploi et la formation dans les régions wallonnes et bruxelloises, l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a 2 ans, les ministres Jolet et Glatini ont lancé une note d'orientation commune que l'on souhaite, maintenant il y a eu la crise sanitaire entre-temps, mais que l'on souhaiterait adopter pour une stratégie commune sur 10 ans sur les 3 entités fédérées francophones. Mm-hmm. Avec des chiffres concrets. Et alors à ce moment-là, il y aurait des chiffres concrets mm-hmm. Avec un comité STEAM qui chapeauterait le tout. Donc voilà, moi je profite de l'événement ici pour relancer. La concertation est importante, je pense à l'alternance, mais aussi ici dans les filières STEAM. Donc je pense que c'est de manière concertée qu'on doit avoir ces plans d'accord. chiffrés. Ja, Jan Smits in Vlaanderen, is dat iets wat jullie ook opnemen? Echt, ja,
geen quota, maar wel concrete doelstellingen? Of is dat toch te moeilijk voor dit domein? Wel, de beleidsinitiatieven zijn altijd inderdaad breed gericht geweest. En ook trouwens breder dan het pure digitale, of het ICT-luik. Dus in die context is het meer een initiatief om iedereen mee te krijgen, zonder dat er concrete objectieven worden gesteld in specifieke gebieden. En zijn er dan ook doelstellingen voor het aantal mensen in het algemeen die naar die stemrichtingen gaan? Of ja, is dat moeilijk? Nee, daar hebben we heel duidelijk op ingezet. Hè. 10 jaar geleden al, hè, met dat actieplan. En we hebben nu ook een actieplan Stem 2030. Om inderdaad die trend door te zetten. Want de cijfers liegen niet. Hè. De gap van 500.000 mensen die we moeten invullen. En dat gaat over 500.000 competenties, hè, die we daar, competenties waarvan dat we er ook een aantal nog niet hebben. Hè, want daar ook we investeren ook voor de toekomst. Hè. Dat zijn, dus dat is een uitdaging die iedereen aangaat. Hè. De industrie, de beleid, dat we daar allemaal een steentje moeten bijdragen. Ja, oké. Okay. Une dernière réaction. Une réaction serait qu'on a dit que beaucoup repose peut-être sur l'enseignement. On a peut-être beaucoup, on va dire, à attendre. Mais il y a aussi un secteur qui n'est pas représenté ici, c'est l'industrie. Et donc, on peut quand même relever que des fédérations comme Essentia au niveau de la chimie, des sciences de la vie, comme Agoria, font beaucoup de choses en vue de promouvoir finalement ces carrières-là. Et c'est essentiel parce que qu'ils aillent à la fois via des conférences dans les écoles, mais également que des visites puissent être organisées pour voir le concret des métiers. C'est aussi un point très, très important. Ça tombe bien parce que we hebben nog een aantal debatten en daarin zijn de bedrijven en ook Agoria ook vertegenwoordigd. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken om hier te zijn. Stefanie Cortis, Jan Smets, Mathilde Delforge, Max Munich, Stefanie Lepchinski, Catherine Bernard, Angelique Leonard en Albert Vallejo. Dankjewel allemaal. En we hebben het nu over het onderwijs gehad. We gaan straks nog een aantal debatten hebben. Maar ik stel voor dat we nu nog één keertje gaan kijken naar een vrouw die al in ICT zit. Ze werkt al 6 jaar als consultant in de ICT. Ze is 29 jaar oud en ze zegt eigenlijk dat er nog veel vooroordelen bestaan die niet blijken te kloppen. Na dat filmpje hebben we een korte pauze. Ik zie u graag terug om 11:15. Maar eerst gaan we kijken en luisteren naar Ayla Kremery. Ik denk dat er 2 grote misvattingen zijn rond werken in IT. Namelijk 1, dat je in een bepaald stereotype moet passen. Namelijk mannelijk, die heel veel met computers bezig is, die daar heel veel van weet. Die heel zijn leven computers zijn. En 2, de jobinhoud zelf. Ik ben Ayla Kremery, ik ben 29 jaar en ik werk al bijna 6 jaar als consultant voor het bedrijf AE in Leuven. In dat bedrijf werk ik vooral als technisch consultant en dan voornamelijk als full-stack developer. Dus ik schrijf effectief code voor software. En dat doe ik zowel hetgene visueel wat je ziet, als hetgene wat je eigenlijk niet ziet aan de achterkant. Mijn eerste project was een project in de gezondheidszorg, waar ik mee heb helpen bouwen aan een applicatie die patiënten in de thuiszorg beter helpt opvolgen. Daar ben ik wel heel trots op, omdat we daar wel echt met IT een platform gebouwd hebben dat echt een positieve impact heeft op de maatschappij en mensen echt helpt. Als vrouw binnen deze sector heb ik nog niet echt nadelen ondervonden. Ik voel me altijd deel van het team en gelijkwaardig aan de andere teamleden. Dus zelf, persoonlijk, heb ik daar nog geen negatieve ervaringen mee gehad. En merk ik ook dat de sector heel hard open staat voor vrouwen in IT. Je mag nooit jezelf laten beïnvloeden door genderrollen of stereotypen of beelden die je in je hoofd hebt. Maar je moet vooral kiezen waar dat jouw interesses en talenten liggen. En als dat computerwetenschappen is, dat is vooral probleemoplossend denken en logisch nadenken. Dus ja, als je daar interesse in hebt, moet je dat zeker doen. En zeker niet door het stereotype beeld van de nerd met stinkende t-shirts in een donker kot zonder daglicht die de hele dag achter zijn computer zit. Dat is niet waar en dat is ook zeker niet nodig om computerwetenschappen te studeren.
Allemaal rebonjour à tous. I have the honor to introduce you to our next keynote speaker, Rosanna Kurer. J'ai l'honneur de vous présenter notre prochaine oratrice, Rosanna Kurer, qui est cofondatrice et patronne d'un programme spécialisé en cybersécurité. Et Rosanna, c'est la personnalité de l'année en matière de cybersécurité. Elle va tout nous dire sur l'innovation et la diversité. Rosanna Kurer, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je m'appelle Rosanna et je suis fondatrice de Cyber Wayfinder. Je suis effectivement la personnalité de cybersécurité de l'année. Je suis très heureuse et très reconnaissante à la Belgique pour m'avoir octroyé pour la première fois. D'ailleurs, c'est la première fois que cette distinction est octroyée pour me l'avoir octroyée à moi. Je suis très heureuse d'être ici. Je suis aussi très fière d'être donc la première récipiendaire de cette distinction. Et je vais commencer par partager avec vous une partie de mon histoire. I had studied in Japan. Je viens des Philippines, j'ai étudié au Japon, du Japon je suis passée à l'Allemagne, de l'Allemagne à la Belgique, donc mon parcours de carrière n'a pas été en ligne droite. Mes études ont eu de nombreux tournants et je voudrais inspirer les femmes qu'elles comprennent que les transitions de carrière sont très normales, même si vous n'avez pas de diplôme d'ingénieur ou en informatique, une carrière en cybersécurité, non seulement c'est épanouissant, ça a du sens, mais c'est tout à fait possible, quel que soit votre âge et quel que soit votre niveau d'éducation. Nous avons un grand déficit de compétences en cybersécurité et nous devons faire mûrir ce secteur parce que c'est un secteur qui est vraiment sous les feux de la rampe. Maintenant, c'est très important que les organisations puissent fonctionner d'une manière sécurisée, mais c'est aussi important que les gouvernements et les infrastructures critiques puissent fonctionner. Elles ont besoin de spécialistes en cybersécurité. Maintenant, nous sommes à un moment de changement. Il y a beaucoup de transformations numériques dans notre organisation, dans nos organisations. C'est très important d'avoir la force de travail talentueuse et compétente pour aider toutes nos organisations à fonctionner de manière sécurisée. Alors, je voudrais vous raconter mon histoire. J'ai commencé donc aux Philippines, où j'étais à une école catholique pour filles. Il fallait que quelqu'un dans une école de filles, quelqu'un soit bonne en maths et en sciences. Et c'était moi. Et donc, mes professeurs, mes enseignants m'ont vraiment soutenue. Donc, j'ai eu de la chance, en quelque sorte. Et j'ai eu pas mal de mentors également tout au long de mon parcours. J'étais au Japon et voilà, dans un environnement université très masculine, comme la plupart des universités au Japon, j'étais la seule femme et étrangère en plus. Mais mes professeurs m'ont vraiment soutenue, m'ont vraiment enseigné le fait que je pouvais faire ce que je voulais si je travaillais dur, et les Japonais travaillent dur. Et donc, je l'ai vraiment eu comme mentor, ce professeur. Il m'a vraiment traité comme quelqu'un de professionnel, comme une chercheuse compétente. Et alors, de là, j'ai été en Allemagne et de l'Allemagne en Belgique. Alors, en Belgique, je discutais avec ma famille en me disant, voilà, qu'est-ce que je peux faire ici? J'ai plusieurs limites. D'abord, je viens d'une culture différente. Je vais devoir apprendre une nouvelle langue. Et même si j'ai étudié l'ingénierie, je n'ai pas de formation informatique ou en technologie, mais j'avais vraiment une passion pour les technologies. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et comment est-ce que je peux commencer à travailler, à faire carrière dans ce pays? Et mon professeur au Japon m'avait enseigné la programmation. J'ai fait toute ma recherche sur la base de la programmation. Je me suis dit, je vais apprendre de nouveaux langages. Et voilà, on est ici à B-Central. Et il y a tellement d'opportunités d'apprendre la codification, par exemple. C'est un écosystème incroyable. Donc, j'ai appris de manière autonome aussi.
parce que j'ai des enfants bas âge et puis j'ai dû également apprendre des langues, suivre des cours de langue. Et finalement, c'est moi qui ai vraiment été dans le sens de ce que j'aime, c'est-à-dire dans les technologies, même sans éducation scientifique dans ce domaine. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et les gens, mon entourage m'a soutenu, ma famille, mon mari. Et ça, c'est extrêmement important pour les femmes, s'assurer que vous êtes soutenues par votre entourage, votre famille, vos amis, et que toutes ces personnes vous autorisent à rêver et à être ambitieuses. Parce qu'une transition de carrière, passer à une autre carrière, notamment dans le secteur des technologies, c'est possible, mais ça demande du travail. Et donc, tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont vraiment accompagnée dans mon sens. Et le secteur de la cybersécurité, l'industrie de la cybersécurité à Bruxelles, en Belgique, m'ont vraiment soutenu cette initiative à, visant à encourager les femmes à faire une transition de carrière vers la cybersécurité. Donc, comme je l'ai dit, j'ai été vraiment soutenue par les formateurs, par mes mentors. Et donc, je n'arrête pas de répéter que je suis vraiment très reconnaissante à l'industrie de la cybersécurité. Et cette industrie a évolué de sorte que maintenant elle est suffisamment mûre pour intégrer des femmes et des profils très divers. En 2017, quand on a fondé Cyber, comme je l'ai dit à ce moment-là, donc mon environnement était tout à fait en faveur de cela. On a vraiment eu un appui de la communauté des startups dans le domaine des technologies. Et beaucoup de soutien également de la part de l'industrie, de la cybersécurité, des organisations professionnelles. Tous ces groupes, toutes ces instances nous ont aidés. Et j'ai rencontré environ une centaine de femmes. Enfin, il faut savoir aussi que notre programme s'adressait uniquement aux femmes, en tout cas jusqu'en 2021. En 2022, on peut dire que maintenant le groupe est très diversifié. C'est-à-dire qu'il y a des hommes maintenant qui font partie de cette initiative, de ce projet. Et quand nous avons débuté, bien sûr, on avait des doutes. Est-ce que ça va vraiment marcher? Parce que quand on cible uniquement les femmes pour une transition de carrière, eh bien, ça amène de la diversité. Ça veut dire des femmes de tous les âges, depuis l'âge de 20 ans jusqu'à des femmes de 50 ans, des femmes qui parlaient plusieurs langues. En fait, il y avait 16 langues représentées dans la classe. Des femmes venant de différents contextes, de différents pays, d'Europe ou ailleurs. Et toutes ces femmes avaient une chose en commun, c'est leur passion pour les technologies et leur volonté d'avoir une influence sur la cybersécurité, avoir un impact sur la cybersécurité. Donc moi, je me suis vraiment inspirée de ces femmes. Je voulais que ça fonctionne. Je voulais en fait que ça fonctionne pour moi aussi. Quand vous réfléchissez au motif, à ce qui vous motive, à la diversité, etc. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on prend des initiatives pour les femmes? Eh bien, en fait, l'innovation, ça commence par de la diversité. On ne peut pas innover si on n'intègre pas différentes perspectives, différents points de vue, différents profils de personnes qui viennent partager ce qu'elles ont à offrir. Et donc, non seulement nous devons accepter la différence, les différences, mais il faut les valoriser. Parce que voir les choses à partir de différents angles, différentes perspectives, permettent de mieux appréhender le problème, de mieux comprendre. Et c'est ça qui permet de trouver des façons innovantes de résoudre le problème. Donc, la diversité, ce qui est à la base de l'innovation, c'est ça qui engendre l'innovation. Et c'est ce dont on a besoin dans l'industrie des technologies et notamment dans l'industrie de la cybersécurité à laquelle j'appartiens. Alors, je vais citer plusieurs femmes qui ont fait de la recherche sur la diversité. En fait, les hommes et les femmes, donc les femmes qui osent intégrer l'industrie des technologies, quel que soit leur âge, leur éducation, leur culture, leurs origines géographiques ou autres, il faut du courage et il faut travailler dur. Du courage, non pas parce qu'autour de vous, on vous empêche ou vous
vous freiner, mais aussi parce que vous devez vous accepter en tant que tel, en tant qu'experte des technologies, et vous devez vous convaincre vous-même que ça peut fonctionner pour vous aussi. Et voici ce que je voudrais dire, c'est que le courage commence par le fait de se rendre visible, de se faire connaître. Eh bien, c'est important surtout pour les femmes dans le domaine des technologies parce qu'on est une minorité la plupart du temps. Donc, nous devons vraiment nous mettre en avant de la scène, se montrer, son soi authentique et ne pas avoir peur de montrer les imperfections également, de même que les différences, mais valoriser les différences. Il y a toujours un désir de s'assimiler aux autres, de disparaître dans la foule. Et beaucoup de femmes dans le domaine des technologies, notamment, comprennent bien ce que je veux dire. Mais en fait, ce sont vos différences qui doivent être valorisées. C'est ça qui vous rend précieuse. Et donc, le courage commence par cela, par pouvoir montrer qui on est, son être authentique, accepter nos imperfections, les montrer, ne pas les cacher, s'accepter tel qu'on est. C'est comme ça qu'on peut vraiment développer aussi ce sens de l'appartenance. Donc, ça a fonctionné pour moi. Et pourtant, il y avait tellement d'obstacles. Mon âge, mon origine ethnique, ma difficulté à apprendre les langues. Mais finalement, autour de moi, toutes ces personnes m'ont soutenue. Que ce soit des gens qui étaient déjà dans le domaine de l'industrie des technologies ou pas. Et je terminerai en disant que on a eu énormément de personnes qui nous ont soutenus dans cette initiative. Et il y a énormément de personnes qui sont désireuses de travailler avec des profils très divers. Et en ce qui me concerne, en tout cas, moi, je suis très contente et encouragée à l'idée d'accueillir et de travailler avec les différents profils. Merci, Rosanna, pour cette intervention très encourageante. Muriel Bernard, elle a fondé un site qui s'appelle eFarms et elle vend des produits qui viennent de fermes belges, aussi des box repas. Et pour Muriel, le numérique et le digital, en fait, ce sont des moyens pour entreprendre et ce sont des moyens pour développer, par exemple, des applications auxquelles les hommes n'ont pas encore pensé. Muriel Bernard. Moi, je leur dirais d'essayer de foncer, quoi, et d'essayer vite. Je pense que, surtout au début, faire le premier concept, le proof of concept, en IT, c'est assez facile de tester, de faire une petite maquette de ce qu'on a envie de réaliser et de tester s'il y a de l'attraction. Donc, ifarms.be, c'est un site internet qui vend en ligne une très large gamme de produits qui proviennent de fermes belges. Et on vend aussi des box repas, le tout bio et local. Donc, moi, j'ai fondé ifarms en 2013 et aujourd'hui, je suis l'administratrice déléguée et la CEO d'ifarms. Et le e-commerce m'a toujours interpellée, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez commercial, j'aime vendre, mais je ne me voyais pas dans un magasin physique. Et en fait, j'y connaissais rien à la base, donc je connaissais plus des principes commerciaux et marketing. Et donc j'ai acheté 2-3 bouquins sur les sites internet et j'ai appris moi-même. Pour moi, le secteur informatique, c'est plus un moyen. Donc c'est un moyen d'arriver à entreprendre facilement et c'est un secteur où il y a beaucoup d'entreprises à créer. Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas développées pour les femmes dans l'IT. Donc ça peut être des applications, ça peut être des services, ça peut être des sites de e-commerce, parce que c'est un secteur dominé par les hommes qui ont développé souvent des choses dans l'axe masculin. Et en fait, une femme va penser différemment, va penser pour les autres femmes, pour les consommatrices, et va sans doute avoir une créativité, une sensibilité différente et utiliser ces outils informatiques différemment pour arriver à des résultats en fait, assez sensationnels qu'on n'a pas encore vus aujourd'hui, quoi. Ja, we gaan verder praten over een carrière in ICT en. Bien, nous allons continuer à discuter sur les carrières dans les technologies. Alors, nous avons pour cela 5 nouveaux membres d'un panel. Coran Google, Elena Lansening de Interface 3, Senar Faïs, un entrepreneur, entrepreneuse, et Jeanne Cardon de l'agence
entrepreneuriat et nouvelles technologies. Caroline Gummans, vous êtes membre de Benelux, qui est une entreprise importante. Beaucoup de femmes travaillent pour cette société, mais combien de personnes travaillent pour IT Drops? En fait, on ne considère pas le genre de ce point de vue. On ne recherche pas des experts dans l'éthique. Pour nous, toute personne qui travaille pour Google est un spécialiste, un expert de technologie, de nouvelles technologies dans mon équipe. Je dois aussi, moi je fais partie de l'équipe juridique, je dois aussi pouvoir comprendre ce qu'il en est des technologies. Donc, je n'ai pas vraiment de chiffres à vous donner. Je pourrais bien sûr partager des chiffres très généraux. Par exemple, 32, est-ce que vous pensez que ça suffit? Non. En fait, nous n'en sommes pas encore là, mais disons qu'on avance à pas de géant. Alors, ceci est un chiffre très général. Disons 32 pour l'ensemble du département. Si je parle uniquement, si je prends uniquement l'équipe juridique, c'est réparti 50-50. Et ce qui est sans doute le plus important aussi, c'est que c'est jusqu'au niveau du management que nous sommes à 50-50. Alors, bien sûr, on peut encore faire mieux. Mais ce qui est important, c'est que Google, en tant qu'entreprise, travaille à cela. Donc, il y a des ateliers qui sont organisés, il y a de la formation. Et ce qui est fait également, et ça c'est très important, c'est de proposer des ateliers à des femmes pour renforcer leur confiance. Je trouve que les noms de ces ateliers sont extraordinaires. Cet atelier Confiance, c'est un atelier qu'on a développé, mis au point, qui s'adresse aux employés de Google. Et on a lancé ce type d'atelier parce qu'on s'est dit que lorsqu'on fait une promotion, lorsque on lance un appel à répondre à un emploi, bien les hommes vont plus vite réagir. Et donc, il faut du courage pour proposer sa candidature chez Google. Et en fait, les hommes n'hésitent pas à poser la candidature s'ils ont 60% des compétences, alors qu'une femme le fera uniquement si elle est sûre d'avoir 100% des compétences. Et donc, non, il faut changer cet état d'esprit. Nous voulons créer un terrain d'égalité. Et donc, nous avons créé ces ateliers qui s'adressent principalement aux femmes, mais on ouvre aussi à d'autres personnes, à d'autres profils. Par exemple, pour des personnes qui sont très introverties. En fait, ces ateliers, c'est très simple. On apprend aux gens à faire leur autopromotion, à se vendre. Alors, il ne s'agit pas de se vanter ou de faire son cinéma pour se vendre. On veut que les gens comprennent cela. Ça ne sert à rien de donner des éléments factuels par rapport à soi. En fait, c'est comme un entraînement, comme on entraîne des muscles, mais c'est la même chose, c'est un atelier très simple. Vous faites une liste, voilà, je suis formidable parce que. Et vous devez donc mettre par écrit les deux, trois raisons pour lesquelles vous pensez que vous êtes formidable, parce que vous parlez plusieurs langues, etc. Alors, ensuite, on essaie d'aller plus loin. On oblige les personnes à réfléchir plus loin. Vous devez cinq raisons et pas trois. Et ensuite, on demande aux personnes de les lire à haute voix. Ça, c'est encore l'étape suivante. Et puis, par ailleurs, il faut que ce soit accepté par la collectivité. Parce que quand les hommes communiquent de cette façon, c'est plus facilement accepté que quand c'est les femmes qui communiquent comme cela. Donc, quand une femme lit à haute voix la raison pour laquelle elle pense qu'elle est formidable ou remarquable, eh bien, les autres doivent applaudir. Ça peut sembler artificiel, mais ça change. Ça permet de changer un peu l'état d'esprit et franchement, ça donne des résultats. Alors, on a commencé à faire cela au niveau interne. Et puis, voilà, on a vu que ça marchait tellement bien qu'on organise aussi ces ateliers pour d'autres entreprises. Et donc, c'est vraiment, je suis très satisfaite parce que ça donne vraiment des résultats. Alors, ça, c'est un des types d'ateliers qu'on organise. Et puis, par ailleurs, il faut savoir qu'on est très transparent en termes de chiffres. J'en reviens à ces 32%. Effectivement, nous pensons que si on veut vraiment apporter du changement, il faut partager l'information, des données, et c'est ce que veut encourager Google.
On voit qu'il y a assez peu de femmes qui choisissent des études STEAM. Alors, il faut peut-être aller chercher des femmes qui travaillent déjà ailleurs pour les diriger vers le digital. À B-Central, qu'est-ce que vous faites encore? Quel type de formation vous donnez à qui? Alors, nous, ici, on est un écosystème dans lequel il y a différents types de formations aux différents métiers de la technologie, parce qu'en fait, la tech, c'est très vaste aujourd'hui, et qui s'adresse à la fois à des adultes et à des enfants. Et je voudrais commencer d'abord par les enfants, parce que je crois que quand on parle de diversité dans la technologie, il faut commencer là. On a fait, ici, pendant les vacances de Pâques, donc il y a quelques semaines, on a fait des stages gratuits pour les petites filles et les petits garçons entre 8 et 12 ans. Et combien de filles il y avait? On avait quasiment 50% de filles. Très bien. On était à 48%. Okay. Pourquoi on le fait à ce moment-là? Parce qu'il faut attendre 8 ans, parce que c'est à ce moment-là que les garçons et les filles sont capables d'écrire et de se concentrer suffisamment longtemps. Mais en fait, c'est aussi le moment où on se fixe ces modèles sur qu'est-ce qu'on a envie de devenir demain. Mmh. Alors, il y en a plein qui ont envie de devenir joueurs de foot, en tout cas certainement pour les garçons, pour des petites filles aussi. C'est l'occasion de leur montrer qu'ils peuvent aussi devenir des acteurs de la technologie. Et ce qu'on a fait en particulier pour s'assurer, parce qu'ils sont tous utilisateurs du numérique, mais ils ne sont pas nécessairement producteurs. Et on voulait passer le message, en particulier aux petites filles, mais vous pouvez prendre cette place. Vous pouvez aller apprendre et on va vous aider. Et du coup, dans la manière dont on a communiqué, par exemple, on a essayé de casser les codes habituels de communication autour de la technologie pour que ça parle aussi aux petites filles. Dans les couleurs qu'on a utilisées pour le promouvoir, dans les mots qu'on a utilisés. Parce que la différenciation de genre, elle commence à se faire à cet âge-là. Et donc, c'est très important de commencer dès ce moment-là. Le code, en fait, c'est une langue. Tous les êtres humains, nous sommes tous très bons dans les langues et les filles sont certainement aussi bonnes que les garçons, voire meilleures. Donc, il n'y a pas de raison que cette langue-là et ce monde-là leur soit fermé. Donc, il y a vraiment un enjeu de commencer très tôt, dès 8 à 12 ans. Et tant que le code n'est pas dans le cursus obligatoire en primaire, ben, on va le faire sur le côté. Et s'assurer que pour les petites filles ou pour des enfants de milieux défavorisés dont les parents n'ont pas les moyens de payer 150 ou 200 euros pour des stages de code pendant les vacances, de leur permettre d'avoir cette possibilité d'apprentissage. Et de le faire gratuitement et aussi dans un lieu qui est très accessible, parce qu'on n'a pas encore dit, mais B-Central se trouve dans la gare centrale de Bruxelles. Alors ces activités-là, on les a fait dans différentes villes, justement pour être proche des enfants. Après ici, à B-Central, on accueille essentiellement des adultes dans différents publics, de différents types de publics et différents types de formations. Et ce qu'on voit nous ici sur le campus, c'est qu'en fait, il y a des métiers du numérique qui sont très ouverts aux femmes, très féminisés. Le digital marketing, par exemple. Les écoles de digital marketing ici sont avec une majorité de femmes. Par contre, ben, on écoutait Rosanna, la cybersécurité, c'est l'autre extrême. C'est vraiment un monde dans lequel il y a beaucoup moins de femmes. Et donc, on a toute une série d'activités pour proactivement faire venir des publics féminins vers ces formations. Il y a aussi un aspect, et c'est ce qu'on essaie de faire de manière générale sur ce campus, d'un peu désacraliser la tech. On a tous un syndrome de l'imposteur face à la technologie, tous. Mm-hmm. Parce que ça va tellement vite, à part quelques ingénieurs de Google qui sont les plus avancés, je pense qu'on peut tous admettre que d'une manière ou d'une autre, on se sent imposteur. Après, il faut assumer ça et se dire, mais ce n'est pas une raison pour ne pas prendre ma place, pour ne pas y participer. Et ça, ça concerne l'ensemble de la société. Aussi une question d'âge, parce que je pense que cet aspect d'imposteur, ça touche en particulier des publics plus âgés qui disent « Mais qu'est-ce que moi, je peux aller faire dans ce monde ?» Mais il y a absolument une place à prendre. Ça touche des publics qui ont peut-être plus de difficultés à l'école, etc. Donc c'est un mouvement d'ensemble où il faut désacraliser, il faut dire tout le monde doit pouvoir prendre sa place dans ce monde numérique. De toute façon, on en est tous consommateurs. Oui. Il est partout autour de nous. Et le monde numérique est très large, j'ai bien compris. Elena Lanzoni de Interface 3. Je vous ai vu dire oui et non à certaines choses. Le marketing, c'est pour les femmes. Non, j'ai vu. Vous donnez également des formations dans l'informatique, mais l'informatique au féminin. Oui. Vous donnez des formations
exclusivement aux femmes. Pourquoi oui, ce choix-là? En fait, je dirais qu'on les fait, donc on organise des formations non mixtes pour plus de mixité dans les professions et dans les secteurs IT. Et d'autre part, on les fait également parce qu'en fait, lorsque les hommes ne sont pas là, les technologies deviennent une affaire des femmes. Mmh. Voilà. Et en fait, donc nous, on existe depuis 87. C'était à ce moment-là qu'on a créé, mis sur pied la première formation. Et les années 80, c'était donc l'essor des nouvelles technologies et les débuts d'une révolution informatique qui risquait bien de se faire sans les femmes, déjà à ce moment-là, parce que les femmes étaient minoritaires dans les auditoires. Et donc aujourd'hui, on a bien identifié tous les facteurs qui expliquent pourquoi les filles ne vont pas vers ces filières. Donc il y a l'éducation différenciée depuis le plus jeune âge, il y a également l'apprentissage et la conformité aux stéréotypes des sexes qui sont très forts, l'estime de soi dans les matières où en fait on n'a pas des rôles modèles. Et alors il y a encore la représentation, comme Laurent le disait, des informaticiens hein, qui varient entre les geeks et les hackers, donc ils ne sont pas très attirants pour les femmes. Donc cette idée de quelque chose d'injoignable pour plus ou moins tout le monde, mais plus particulièrement pour les jeunes filles. Il y a une grande méconnaissance des métiers de l'IT également. Ça reste très, très difficile à saisir. Et donc, pour nous, l'effet de mettre sur pied des formations qui s'adressent uniquement aux femmes, ça nous permet de contrer une partie de ces facteurs-là. Mm-hmm. Donc, ça nous permet une communication qui cible les femmes uniquement, avec des rôles modèles et des modèles uniquement féminins. Ça nous permet d'organiser initiation à la programmation pour les femmes, pour qu'en fait elles puissent expérimenter les différentes technologies qui se cachent derrière les différentes branches de l'informatique, de rattraper un éventuel retard, même si c'est vrai qu'en fait ça s'estompe avec les nouvelles générations, n'empêche. Ça nous permet en fait aussi de pouvoir compter sur un réseau d'anciennes qui, puisqu'on existe depuis 87, est très large. Et donc les anciennes jouent le rôle des mentors vis-à-vis des nouvelles étudiantes quand elles partent en stage ou en formation. Donc ça nous permet tout ça. Et en fait, notre choix, qui a été un choix assez courageux, hein, par moments aussi controversé, est conforté par les feedbacks de nos étudiantes qui nous disent qu'en fait, elles peuvent évaluer dans un climat serein, qu'elles ont moins de craintes, par exemple, à poser des questions que s'ils étaient dans un auditoire mixte. Mais alors, en fait, un auditoire mixte, en ce qui concerne les nouvelles technologies, ce n'est pas vraiment un auditoire mixte, parce qu'en fait, les derniers chiffres du CREF, en fait, montrent que, par exemple, en Fédération Wallonie-Bruxelles, en 2019, il y a eu 22 filles qui ont obtenu un master en sciences informatiques, versus 217 garçons. C'est donc, un dixième. C'est en fait les tableaux interuniversitaires. Mm-hmm. Donc cela signifie que, par exemple, dans une institution, ben, vous risquez d'avoir un auditoire dans lequel il y a 20 étudiants et une ou deux filles. Oui. Donc c'est une situation minoritaire qui est très lourde à porter. Non seulement parce qu'on peut faire face à des situations de sexisme, plus ou moins bienveillantes, hein, on ne parle pas des grandes méchancetés, mais bon, on empêche. Mais également parce qu'on risque ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Donc on est moins performante quand on sait qu'un stéréotype existe vis-à-vis du groupe auquel on appartient. Ça crée une certaine anxiété et on risque effectivement d'être moins performante. Mm-hmm. Donc tout ça fait de sorte qu'en fait, il n'existe pas une vraie situation de mixité 50-50. Mais nous, par ailleurs, on remarque que même la vraie mixité, pour certaines matières, risque de en fait, renforcer les stéréotypes. Et donc risque de reproduire, par exemple, l'équivalence dans des contextes mixtes d'apprentissage, par exemple, des technologies et des sciences. On risque de reproduire l'équivalence homme-science, technologie égale homme. Vous voyez ? Et donc l'effet que les femmes soient seules dans une situation d'apprentissage interface 3 les oblige quelque part à jouer tous les rôles. Mais s'il y a déjà une ou deux femmes dans cet auditoire, est-ce que ça ne pourrait pas attirer plus de femmes l'année après et encore ? En fait, sociologiquement, on voit qu'il doit y avoir un certain taux, un certain pourcentage pour que ce soit minimum. Sinon, on a l'effet mascotte, que c'est quelque chose de particulier. Et c'est plutôt la petite, la gentille, la chouette. On a aussi une fille, donc c'est
c'est quelque chose de différent. Vous travaillez depuis les années 80, vous dites. Oui. Est-ce que vous avez vu croître le nombre de femmes qui se sont inscrites chez vous? Oui, parce qu'en fait, on a augmenté l'offre de formation. Donc aujourd'hui, fait, on offre 5 formations qualifiantes longues. Hein. Donc il s'agit de formations très longues. Elles durent entre 12 et 15 mois et sont très intensives. D'accord. Vers des métiers du style web application developer, network administrator. Donc c'est des fonctions plutôt pointues. Et en fait, pour répondre, disons, à la question du pourquoi, je pense avoir expliqué, mais les résultats sont très positifs, parce qu'on a un taux d'embauche après les parcours de formation qui varie entre 80 et 100%, selon, évidemment, les types de formations et la conjoncture économique. Donc, ça peut varier d'une année à l'autre. Mmh. Mais donc, cela signifie que chaque année, d'Interface 3, il y a 80 femmes professionnel IT en herbe qui sort. Qualifié. Vous voyez, alors si vous pensez aux 22 femmes qui sont sorties en Fédération Wallonie-Bruxelles, si vous rencontrez une informaticienne aujourd'hui, il est fort probable qu'elle se soit formée à Interface 3, parce qu'elle existe depuis un bon moment. D'accord, merci. Et donc, je tiens à dire également qu'on organise quelques modules d'initiation pour les garçons, enfin pour un public mixte. Et ça, c'est très important pour nous, parce que ça nous permet de monitorer l'évolution des stéréotypes dans la société et auprès des jeunes générations. C'est très important, parce que ça peut varier, hein, on l'espère, hein, donc on le souhaite. Parce qu'en fait, ces choix courageux de non-mixité, c'est un choix pragmatique. Donc, on voit que le problème est là, on a trouvé une solution qui marche et on continue de l'utiliser. On va continuer à l'utiliser tant que les problèmes persistent, d'accord. Un peu comme un médicament. Audacieux et pragmatique, voilà, je vais retenir ça. Sana Afouaïs, vous êtes la fondatrice de Womenpreneur. En fait, qu'est-ce qu'elle fait, votre organisation? Quel est le but de votre organisation? Je commence déjà, comment Womenpreneur a été créé. C'était suite à mon voyage dans le monde arabe. Oui. Donc j'ai passé un an à vraiment découvrir c'est quoi la bonne formule pour soutenir les femmes. Et j'ai fait mon voyage dans le monde arabe un an, je suis venue en Belgique. Je voulais comparer l'Europe et cette partie du monde parce qu'en général c'est deux parties qui se clashent. J'arrive ici en Belgique et je découvre que il y a une contradiction avec ce qui se passe dans le monde arabe. Dans le monde arabe, on a plus que 65% des femmes qui font des études de STEM. Ici, c'est le contraire. J'étais très, très choquée parce qu'ici en Belgique, on a toutes les opportunités. Quelles sont les raisons, oui? Est-ce que vous avez découvert ça? Il y en a plusieurs. Je pense que dans cette partie du monde, le monde arabe, les femmes elles sont tellement limitées dans les espaces, dans leur liberté, qu'ils se planchent dans les études. Alors qu'ici, je trouve que... Mais pourquoi ces études-là? Parce qu'il y a des milliers d'études. Pourquoi des études STEAM? Parce que c'est là où il y a l'emploi. Voilà. Exactement. J'étais en Jordanie récemment. J'ai visité un centre de gaming. Il y a 90% c'est des femmes. C'est fantastique. C'est génial parce que c'est une image qui m'a beaucoup touchée, de voir des femmes qui sont derrière des applications de gaming. Et pour moi, j'ai décidé de prendre ça comme un double challenge. Et mon travail dans le monde arabe inspire mon travail ici en Belgique. J'ai lancé Womenpreneur, qui est une association belge. On travaille sur la participation économique des femmes à travers l'entrepreneuriat et la création de l'emploi dans les domaines de demain. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir les femmes derrière les technologies, les innovations, les femmes qui vont inventer et innover pour demain. Et moi, quand je vois tous les exemples qui me frappent, qui me font peur, surtout avec l'intelligence artificielle, avec toutes les nouvelles inventions, et je dis, si les femmes ne sont pas derrière ces inventions, elles ratent le train. On a vu avec l'exemple d'Amazon. Avec le robot de recrutement qui tout simplement disqualifie chaque profil qui est féminin. Ça tout simplement, qui est derrière ce robot? Parce que la technologie, c'est un outil. Oui. C'est la perception derrière. Oui. Parce qu'en fin de compte, elle est créée par des êtres humains comme nous. Oui. Et on l'a vu avec l'exemple aussi de Google, l'ingénieur qui a dit que la femme, biologiquement, elle n'a pas des traits de leadership. En fin de compte, c'est des êtres humains et on est conditionné dans notre société. Tu prends une jeune fille de 8 ans et un jeune garçon de 8 ans. Tu mets le garçon dans une salle où il y a des Barbies et la fille dans une salle où il y a des machines.
bah, la fille, elle va devenir ingénieure et le garçon, elle va penser à la robe blanche qu'il doit mettre le jour de son mariage. Donc, on est conditionné et on est des produits de la société. Mmh. Et alors, qu'est-ce que vous faites chez Womenpreneur? Bah, exactement. Donc, nous, ce qu'on fait chez Womenpreneur, c'est trois choses. Premièrement, les formations. On forme les femmes, on leur donne les compétences nécessaires, les skills. Comme chez B-Central et Interface 3. Enfin, exactement. Et aussi exclusivement pour les femmes, alors. Exclusivement pour les femmes, okay. Et surtout pour les femmes issues de la diversité, les femmes marginalisées, mmh. Les femmes qui n'ont pas les opportunités, par exemple, de payer un membership pour faire partie d'un réseau. Notre objectif, c'est de vraiment focaliser sur cette cible. Et par exemple, parmi nos programmes, c'est un programme où on forme les femmes à réparer les téléphones et les tablettes. Et par la suite, il y a tout un soutien pour les aider à créer un shop dans leur quartier. Un quartier, en général, on voit les femmes peut-être exercer certaines professions et plutôt la femme jouer un rôle traditionnel. Bah, de plus, on voit des femmes qui travaillent dans le quartier en soi. Bah, on change les idées. C'est un rôle, travail c'est parallèle. C'est les rôles modèles. Exactement. Oui. Deuxième point, on fait la visibilité. Donc, on donne la visibilité aux femmes, on crée des rôles modèles à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Et parmi les initiatives qu'on fait, chaque année, on voyage par un Volkswagen van dans différents pays et on fait des documentaires sur les femmes qui travaillent dans la tech. Les rôles modèles sont importants. Et je le dis tout le temps parce que je ne peux pas devenir une personne si je ne vois pas quelqu'un qui me ressemble dans tel domaine. Mmh. Et quand je parle de rôle modèle... On l'a entendu déjà plusieurs fois ici, oui. C'est pas seulement... Là, par exemple, en Belgique, on a une société qui est diverse. Mmh. Bah, une femme, par exemple, qui est issue de Skarbek, bah, elle aimerait bien voir une femme comme elle. Pas une femme peut-être qui est blanche, parce que c'est différent, c'est loin d'elle. Elle aimerait bien voir une femme qui est proche d'elle. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment créer cet espace-là où on montre les rôles modèles qui sont très proches à ces femmes-là. Troisième point, ce qu'on fait, c'est l'advocacy lobbying. Donc nous, on est la grande gueule, donc à chaque fois, on fait la pression. Donc on travaille, on conseille des ministres, les acteurs publics, les actrices publiques et les décideurs, afin de mettre en place des stratégies et des actions concrètes pour soutenir les femmes. Et d'ailleurs, on a Womenpreneur était la première organisation qui a lancé une étude pour réécrire le plan de relance de la Belgique. Donc on a passé 6 mois à travailler avec plus que 100 femmes et on a décidé de réécrire le plan de relance. Parce que le plan de relance de la Belgique comme il est, il cible que à 18% pour soutenir les femmes. Alors qu'on a reçu une note positive presque 6 milliards, ça veut dire que les femmes elles sont exclues de ce plan de relance. Ça montre la société qu'on veut créer demain. Oui. Et donc nous on est toujours là pour dire que voilà, c'est ça nos conseils, c'est hyper important de préparer, et je pense que ça, et je termine sur ce point-là, it's the last warning qu'on a comme société. Si on ne travaille pas collectivement, malheureusement, on va créer des sociétés demain où les inégalités, il n'y aura plus de solution. Voilà. D'accord, merci. Ellen Cardon van Vlaio, ja, we hebben het hier de hele tijd over... Ja. Ellen Cardon de Vlaio, nous avons mentionné les sujets de l'avenir, les matières de l'avenir, donc l'informatique. On parle du secteur informatique, mais l'informatique est partout. Tout le monde utilise l'informatique. Donc, est-ce que ce serait une bonne idée de signaler aux femmes que l'informatique, c'est beaucoup plus diversifié que ce qu'elles peuvent imaginer? J'ai déjà entendu cela de Google. Google est une énorme société informatique. Et en ce qui concerne notre agenda en matière de STEM, nous ne nous concentrons pas spécifiquement sur les femmes. Nous avons fait une enquête parmi des groupes d'acteurs. Et la première question, c'est pourquoi est-ce que nous voulons des gens dans l'informatique? Pourquoi est-ce que l'informatique est tellement importante? Eh bien, parce que l'informatique est partout. Alors, ça nous aide à rentrer dans cette transition en tant que société numérique, la numérisation, les changements climatiques, la lutte contre les changements climatiques. Il y a une composante informatique dans chacune de nos actions aujourd'hui. Donc, l'informatique doit être un outil parmi toute une série d'outils, parmi tout un éventail d'outils. Si vous pouvez illustrer le
fait que l'informatique contribue aussi à lutter contre les changements climatiques, alors on attire d'autres profils qui sont des profils non traditionnels. Donc l'informatique n'est pas un objectif, c'est un moyen pour atteindre un but. Donc ça, c'est aussi un aspect sur lequel nous devons insister en tant que secteur. L'informatique est présente dans la vie des compagnies commerciales, dans les hôpitaux, dans les universités, dans l'industrie, partout. Les femmes qui veulent se recycler doivent envisager l'informatique. C'est un élément de communication. Alors, chaque projet informatique est un projet multidisciplinaire parce qu'il faut différents angles d'approche, différents modes de compréhension pour arriver à des solutions globales informatiques. Alors, donc il faut plus de femmes. Alors, on a reçu une question de la part d'une société informatique du secteur des soins de santé. Et il faut informer les femmes pour trouver une solution globale. Et cet élément doit également être incorporé dans l'éducation, la formation, la coopération entre la formation scientifique et la formation informatique, des passerelles, la mise en place de passerelles. De cette manière, il y aura davantage de contacts entre les différents secteurs et l'informatique ne sera plus considérée comme étant l'apanage de geeks. C'est encore une image qui est très présente, l'image d'une personne qui passe des journées entières derrière un écran. Mais ce n'est pas que ça, ça va bien au-delà de ça. Donc, c'est important que nous sachions que nous avons besoin d'informaticiens, mais effectivement, d'informaticiennes, mais l'informatique n'est plus séduisante pour pas mal de gens. Et l'informatique, c'est un secteur qui paye bien, mais comme dans tout autre secteur, les femmes sont moins payées. Ça, c'est l'éléphant dans la salle. Les femmes sont payées moins bien que les hommes pour le même boulot. Google, par exemple, a mis en place un programme pour assurer que les femmes soient capables de mieux négocier leur salaire. Et le programme s'intitule Women Will. Donc, c'est un programme de formation au savoir-être, aux compétences douces. Et effectivement, la transparence des chiffres est fondamentale. Des sujets comme ceux-là doivent être mis sur la table pour qu'on en débatte. Il y a une différence salariale de jusqu'à 32% entre les hommes et les femmes pour le même boulot. Donc, il y a des ingénieurs chez nous qui ont fait des déclarations sexistes. Alors, il y a eu une révolte, une mutinerie dans la société. Ça a déclenché tout un débat. C'est important d'accorder l'attention que cela mérite, cette brèche salariale entre les hommes et les femmes. Nous voulons autonomiser les femmes, donner du pouvoir aux femmes, et pour ce faire, nous devons absolument faire en sorte que nos chiffres soient transparents. Et c'est maintenant Google, d'ailleurs, est plus transparent. De quel chiffre, à quel chiffre faites-vous référence? Donc, pour le même travail, est-ce que nous sommes payés le même montant, le même salaire? Très souvent, il y a un tabou qui pèse sur les salaires. On essaye de briser ce tabou pour que ces chiffres soient vraiment transparents. Mais ce sont les femmes qui doivent prendre l'initiative et demander des augmentations salariales. Mais est-ce que ce ne serait pas facile, plus facile simplement pour une société de payer justement les mêmes salaires aux hommes qu'aux femmes? Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous payons un travailleur, une travailleuse. Un travailleur, une travailleuse doit être payé sur base de sa contribution à l'entreprise, son ancienneté, son niveau d'éducation, son expérience, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Il faut considérer le travailleur comme une personne. Vous considérez la personne en fonction de ses compétences, et pas uniquement en fonction de son genre. Alors, voici la fin de ce débat. Quand même envie d'aller travailler dans le secteur qu'on ne peut pas encore plus appeler secteur. Qu'est-ce que vous voudriez dire? Wat zou u willen zeggen aan een meisje dat nu zit te kijken en dat twijfelt om de stap te zeggen, mevrouw Koosemans? Ja, gewoon doen. Eh bien, allez-y. Allez-y. Vous savez, on dit, je ne savais pas que c'était impossible, c'est pour ça que je l'ai fait.
entrepreneur ne s'est fait tout seul de lui-même. Parfois, on véhicule des images qu'aurait un entrepreneur héros, mais ce n'est pas vrai. Il y a plein de gens autour. Donc, entourez-vous. C'est des aventures qui sont collectives et c'est votre réseau de mentors, que ce soit des hommes ou des femmes, qui vous aideront à aller jusqu'au bout de là où vous voulez aller. Merci, c'est presque trois phrases, mais le message est très clair. Merci. Elena Lanzoni. Moi, je dirais allez-y parce que les technologies, c'est vraiment chouette et c'est vraiment amusant et c'est vraiment ludique. C'est un plaisir. Faites-vous plaisir et choisissez donc de travailler dans les tech. Faites-vous plaisir. Sana Afouaïse. Moi, mon message, ce n'est pas pour les femmes, parce que ce n'est pas aux femmes de faire des efforts. C'est plutôt aux entreprises. Mon message, c'est de créer des environnements inclusifs qui vont vraiment favoriser cette diversité. Le prochain débat, ça parle de ça. Merci. Ellen Cardon. Gewoon voor. Je dirais... choisissez les nouvelles technologies, ça peut vous permettre de résoudre tellement de problèmes, de relever tellement de défis de tout genre. Merci beaucoup de vos contributions, de vos messages. Nous allons maintenant entendre un troisième témoignage de Liselotte de Clercq. Elle fait de l'apprentissage à distance et elle va partager son expérience avec nous maintenant. Technologie is voor ons een belangrijk speler. In onze organisatie zeggen we altijd, we hebben een drieluik. Technologie, instructional design en de pedagogie en de content, de inhoudelijke expert. En het is altijd heel belangrijk om een wisselwerking te hebben tussen die drie. Mijn naam is Liselotte Clercq. Ik ben medeoprichter van DTeach, wat staat voor Distance Teaching. Zelf ben ik ook onderwijspedagoog en leraar. Waar wij in geloven is die complementariteit, het versterkend werken van het traditionele, het fysieke, met dat online verhaal. In het algemeen inderdaad is de bedrijfswereld nog altijd overwegend een mannenwereld. Maar het is belangrijk als vrouw om je mannetje daarin te staan dan natuurlijk. Het is eigenlijk een kwestie van persoonlijkheid, geloof ik zelf. Durven die stap zetten, geloof in jezelf en je capaciteiten, hoeveel negatieve ervaring je ook hebt, blijven doorgaan. Omring je ook door like-minded people en durf die stap te zetten. Het hoeft ook niet altijd meteen een grote sprong in het onbekende. Je kan het ook stap per stap doen. Het is een heel boeiende wereld. Er gebeurt heel veel en het is ook gewoon de toekomst. Hè. Of je het nu graag hebt of niet. De wereld gaat digitaal zijn. Het is belangrijk om ermee om te gaan, om je zelfredzaam te maken en om te gaan met die digitale skills. IT of technologie hoeft geen koud iets of losstaand te zijn. Het kan echt voor connectie, verbondenheid zorgen. De menselijke achter die technologie kan echt mooie verhalen en kan voor impact zorgen in de maatschappij. Dus dat maakt echt wel een verschil. Kwestie van persoonlijkheid, zegt Liselotte Clercq. Je moet als vrouw... Bien, Liselotte de Clercq nous dit que c'est une question de... personnalité, il faut saisir les opportunités qui se présentent, mais pour cela, il faut avoir confiance en soi. Alors, avec le prochain panel, nous allons voir ce que peuvent faire les entreprises pour donner ces opportunités aux femmes, pour les encourager à rejoindre les départements informatiques. Alors, un tout nouveau panel, Claire Budding de Federal Fin, Loraya Sienskop de la Technology Federation, Gloria de Roche, Jacques Lamonte de Public Services and Strategy. Claire Gooding, à vous. De confiance en soi, mais est-ce que c'est aussi simple que ça ou est-ce qu'il y a quand même aussi une responsabilité des entreprises? Alors, c'est clair que c'est avant tout une responsabilité des entreprises. Bien plus, effectivement, on est dans un mode non pas fix the women, mais fix the society et on a une responsabilité en tant qu'entreprise. Mm-hmm. D'abord, une responsabilité de comprendre que des équipes IT homogènes,
ça ne va vraiment pas bien fonctionner, mm-hmm. qu'on risque de partir vers de la construction d'intelligence artificielle biaisée, par exemple, qu'on risque d'avoir plus de conflits, d'avoir un moins bon fonctionnement de l'équipe, mais surtout une responsabilité vraiment d'agir pour rendre les jobs plus accessibles en travaillant sur la façon de publier les offres d'emploi, utiliser des termes plus simples, être aussi plus audacieux en faisant confiance à des profils qui ne viennent pas nécessairement avec tous les diplômes IT classiques. Et puis surtout, on a vu dans tous les panels précédents à quel point l'importance des rôles modèles est fondamentale. Mmh. Et donc, vraiment, en tant qu'entreprise, rendre visibles les femmes expertes, les femmes en charge de ces rôles, les jeunes femmes qui viennent d'entrer dans ces rôles, c'est fondamental. Et pour renforcer cela, il y a quelques mois, on a lancé la charte Inclusive Panels. J'invite certainement en particulier toutes les entreprises qui sont dans la tech, dans la finance, dans tous ces secteurs où c'est vraiment difficile pour les filles de pouvoir se représenter, de signer cette charte et de s'engager à ce que sur tous leurs événements, les panels soient mixtes et beaucoup plus divers. Vous êtes très ferme. Pourquoi est-ce que c'est tellement important, selon vous ? Ben, vraiment, parce que... alors, on peut d'abord se dire que la première raison, c'est la raison sociétale, hein, simplement. Mais vraiment, comme on dit souvent, « you can't be what you can't see », si on n'a pas cette possibilité de s'identifier... C'est vraiment plus compliqué et c'est le cas pour tout dans la société. Un jeune homme et une jeune femme qui ont fini leurs études et qui rentrent dans le monde de l'entreprise et qui regardent tous les deux vers le haut, ils voient quelque chose de différent. L'homme voit toute une série de personnes auxquelles il peut s'identifier et la femme, dans pas mal de cas, va voir peut-être une directrice d'HR, une directrice de la com. Et puis c'est tout. Mm-hmm. C'est pas comme ça qu'on arrive à se projeter. Donc vraiment, c'est fondamental. Ok, d'accord, merci. Saskia Van Uffelen, u bent hier namens DigiSkills België. Bonjour, Saskia Van Uffelen, au nom de Digital Skills Belgian Coalition. Vous connaissez plein de choses. Est-ce que c'est vraiment un monde masculin? La diversité, c'est quelque chose qui doit se refléter dans la société. Des entrepreneurs, des employeurs doivent créer des modèles innovateurs. Ils doivent réfléchir en dehors de leur boîte logique, au-delà de leur propre secteur. Parce que dans un monde compétitif, la diversité doit se refléter partout. Pour les emplois dans les tech, dans le secteur des technologies, encore à promouvoir. Ça reste malgré tout un monde dominé par les hommes. Les hommes qui ont un beau costume. Et dans le secteur des soins de santé, là par exemple, ce sont les femmes qui sont en surreprésentation. Donc on dit qu'il faut diversifier. Donc c'est chouette de voir que Jacques est ici. La diversité, ça veut dire créer une nouvelle culture d'entreprise et cette culture qui encouragera des jeunes femmes à avoir une vision différente du monde. Par exemple, ma propre fille, je me dis que c'est ce type de vision, de choses qu'on doit développer dans la société pour... Donc, il faut réfléchir en dehors de sa boîte logique, il faut encourager, faire preuve d'empathie pour de la coopération intersectorielle, adopter une approche inclusive. Donc, en tant que telle, pareil donc pour les compétences digitales. Mais alors, le digital, le numérique, ça ne concerne pas uniquement les technologies. Il s'agit de voir comment nous, la société, résout des problèmes en recourant à la bonne technologie. C'est ce débat qu'on doit avoir, c'est cette réflexion qu'on doit avoir. Et ce sont ces compétences qui doivent être acquises par les femmes. En général, en fait, justement, les femmes ont ces compétences. Elles sont habituées à résoudre des problèmes de société, des problèmes plus économiques. Alors que faire avec ces compétences? Voilà. Vous m'avez autorisé à montrer trois slides. Alors en Belgique, nous pouvons nous targuer
d'avoir pas mal d'initiatives concernant le thème d'aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé à la qualification, la requalification pendant des années. Donc, j'ai participé à la création du fameux passeport pour Agoria. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de faire avec GG Skills Belgium. On essaye d'inclure plusieurs initiatives, donc que ce soit des vidéos, des podcasts, des formations. Et donc, si vous cliquez sur Women in Digital, ça vous donne un peu une idée du format de ces initiatives. En fait, on ne met pas l'accent uniquement sur l'approche inclusive. On veut créer un monde où tout citoyen, toute citoyenne, homme ou femme, ait la possibilité de trouver toutes ces belles initiatives afin de façonner le monde de demain pour mes enfants et mes petits-enfants. Laurence Jacobs de Agoria. Bien, on a beaucoup parlé déjà du profil digital. Qu'en est-il des technologies? Qu'en est-il des experts? Je ne sais pas très bien comment les appeler. Voilà, les talents numériques, ou les talents numériques. Alors, il y a environ 21 000 postes vacants dans le secteur des technologies, rien pour ce secteur. Et en plus, c'est en augmentation. Par ailleurs, le gouvernement veut arriver à un taux d'emploi de 80 %. Les femmes sont la grande minorité dans la société, même si on prend uniquement les chiffres, on est la majorité, mais en fait, c'est un petit peu comme si tout le monde voulait pêcher dans la même mer. Non, il faut pouvoir aller puiser dans d'autres talents. Il faut voir d'autres potentiels. Il faut chercher de nouveaux talents. Alors, où les trouver? Par de la formation, enfin, ou comment créer ces nouveaux talents en donnant des formations, etc. Alors, bien sûr, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Alors, le e-learning, la requalification par YouTube, les webinars, LinkedIn, etc. En fait, ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est un smartphone. Ce n'est pas de la qualification, de la requalification uniquement. Donc, en tant qu'entreprise, il faut motiver le personnel à utiliser ces outils, à se former par eux-mêmes. Il y a également un programme Advanced Marx Digital. Oui, effectivement, à Fablefin, Agoria cherche non seulement des profils technologiques, mais également des constructeurs de ponts, ceux qui vont connecter le côté technologie d'une entreprise et le côté business. On n'a pas besoin d'un diplôme en ingénierie civile. Donc, en fait, on recherche des personnes qui n'ont pas forcément une éducation dans l'estime, mais qui connaissent les bases de la programmation, de l'intelligence artificielle, qui ont une bonne méthodologie, et donc, par exemple, qui peuvent être placés pendant 3 mois dans les entreprises Fablefin. Et on veut un minimum de 50 % de jeunes étudiantes qui seront suivies, qui auront un mentor. Et donc, voilà, notre dossier a été soumis. On espère qu'il sera approuvé. Ainsi, nous pourrons lancer ce projet à partir de la prochaine année académique, dès septembre. Oui, c'est très intéressant. Oui, bien sûr, parce que nous n'avons pas besoin d'avoir étudié les fameuses matières STEAM. Vous pouvez avoir étudié l'histoire, la psychologie ou les sciences sociales. Vous pouvez facilement trouver un emploi dans ces secteurs. Et si vous participez à cette formation d'un an, ça va vous ouvrir toute une série de portes pour votre carrière. Oh, ça a l'air pas mal.
Yves McLennan, alors nous sommes une entreprise, une société pharmaceutique. Vous êtes une société pharmaceutique. Alors pourquoi est-ce que les technologies de l'information et de la communication sont importantes dans votre secteur? Alors voilà, en fait, moi je suis franco-canadienne, mais bon, on m'a dit que c'était mieux de parler anglais. Donc comme vous voulez, vous pouvez parler en français également. Ça fait 13 ans que je travaille dans la société pharmaceutique. Avant cela, j'ai travaillé pendant 20 ans dans les soins de santé. Alors la question que vous posez m'est vraiment très chère. Quand on réfléchit numérique, quand on pense digital, leadership et les soins de santé, alors c'est très important pour plusieurs raisons. Dans les soins de santé, 80% des décisions sont prises par des femmes. Imaginez un peu dans un ménage, qui prend la plupart des décisions pour les enfants? 75% jusqu'à 75%. De 65 à 75%, tout dépend d'où vous trouvez dans le monde, des travailleurs de la santé sont des femmes. On pensait aux médecins, etc., quand arrivent dans l'hôpital. Eh bien, seuls 15% sont ceux qui 15% conçoivent les structures des soins de santé. C'est complètement déséquilibré, alors que la plupart des décisions sont prises par des femmes. Donc, quand on pense digital, compétences numériques et des soins de santé qu'ils ont de plus en plus numérisés, il est important d'avoir des décideurs qui sont également les utilisateurs. Comment faire en sorte que les des décideurs qui soient eux-mêmes des utilisateurs? Enfin, de compte, on veut représenter la population que l'on sert. Donc, 50% dans les soins de santé sont des femmes, 50% des utilisateurs sont des femmes et 15% sont des décideurs. Donc, qu'en est-il des résultats également? Depuis 2007, on a des données. McKinsey a fourni plusieurs rapports qui prouvent que quand il y a plus de diversité dans le niveau de prise de décision, les résultats sont meilleurs. Et ce n'est pas un secret, c'est un fait. Et dans la diversité, donc les femmes jouent un rôle important. Alors au niveau macro, alors il y a des données récentes. Moi, je suis scientifique de formation, donc j'aime bien les données. Et si on voulait réduire l'écart de parité de 25%, il faudrait améliorer le PIB du monde entier de 30 milliards. C'est trois fois le PIB de l'Allemagne. Oui, oui, voilà, ce sont des chiffres très importants. Donc c'est très important et c'est encore plus important pour la diversité, l'inclusion, l'innovation. Comme cela a été dit, sans diversité, sans inclusion, il n'y a pas d'innovation. Et Rational est une société de biotechnologie, donc nous voulons bien sûr appliquer tout cela. La plupart des personnes qui travaillent chez vous sont représentent 51%. Qu'en est-il des emplois de la technologie chez Roche? Alors, je n'ai pas la répartition par poste. 25%. De 43% au niveau décisionnel, et alors au niveau conseil d'administration, 25% de femmes. Et au comité exécutif, on est à 40%. On est passé de 8% en 2018 à 20% en 2019. Donc, à un niveau plus bas, on est à 23%. Alors, le rôle de General Manager, par rapport à cela, on a des politiques en place dont je ne peux pas vous en parler pour l'instant, mais pour augmenter ces chiffres. Donc, depuis 2 ans, tout comme on le ferait pour le business en général, on a fixé des objectifs, pas des quotas, mais des objectifs pour accroître la diversité et 50% des emplois au niveau de la direction générale ont été occupés par des femmes. Roche est depuis 25 ans. Donc, les femmes ont commencé à travailler pour Roche dans la production et à des postes administratifs. Et puis, en 1990, on a créé un bureau égalité des chances. Et c'est là où on a vraiment vu qu'il y a des changements qui se sont opérés en termes d'égalité de salaire, du flexi-travail, etc.
Donc, il faut vraiment traiter cela comme on le ferait avec un plan stratégique. Il faut vraiment une feuille de route. Donc, ça doit vraiment faire partie de la culture de l'entreprise. Oui, absolument. Donc, une stratégie également pour récompenser les femmes. Avant de parler égalité salariale. De besoin de spécialistes digitales. Quel est l'atout du secteur public pour attirer des femmes concernant le salaire? Alors, tout d'abord, la politique de salaire, parce que c'est un point qui est en général sensible. Dans le secteur privé, on est relativement transparent puisque les salaires des fonctionnaires, c'est une information publique. Oui. Des échelles qui sont tout à fait équivalentes, qu'on soit un homme, une femme ou X, on a tout à fait droit à poursuivre les mêmes carrières avec les mêmes rémunérations. Maintenant, pour répondre à votre question, et j'ai envie de faire un clin d'œil à ma voisine, c'est naturellement on est en recherche de talents. Et tous les talents, la diversité et l'inclusion, ce n'est pas un nouveau projet au sein du fédéral et d'ailleurs des administrations. Chose qui est au cœur de nos préoccupations depuis longtemps. Nous avons absolument, un effort important en ce qu'on va appeler une stratégie inside out and outside in. Alors, laissez-moi vous expliquer. Ça veut dire outside in, ça veut dire que nous devons absolument démontrer que nous sommes vraiment attractifs. Alors, je vais vous donner un chiffre que peut-être tout le monde ne connaît pas, mais dans le top management des fonctions publiques fédérales, par exemple, les femmes réussissent significativement mieux les épreuves de management pour le recrutement que les hommes. Ce sont et donc, des types c'est une donnée chiffrée, ce sont des examens, donc tous les candidats sont naturellement devant les mêmes procédures, et donc j'invite toutes les dames à participer, elles peuvent obtenir des résultats significatifs, en tout cas c'est ce que les chiffres nous disent. Donc être attractif comme employeur, être attractif pour tout le monde, et donc démontrer que nous avons une politique très dynamique en termes d'inclusion et de diversité au sein de nos organisations. La deuxième chose, c'est ce que nous faisons en inside out. Alors là, on s'est rendu compte qu'effectivement, faire des politiques d'attractivité, c'est bien, mais si on n'a pas fait effectivement un nombre suffisant de candidats, c'est naturellement un grand défi. Et là, nous avons lancé un certain nombre d'initiatives. Mm-hmm. Ces initiatives portent à la fois sur la formation, à la fois sur le développement, à la fois sur le partage des connaissances, de manière générale. Quelques exemples concrets. On a lancé deux initiatives qui sont plus ou moins connues. La dernière en date, c'est ce qu'on appelle Connect2. Et Connect2, c'est quoi? C'est s'assurer que tout le monde dans la société puissent avoir les bases minimales dans le digital. Et lorsqu'on parle du digital, c'est par exemple utiliser les outils que chaque citoyen doit pouvoir utiliser dans sa vie de tous les jours pour se sentir inclus dans la société qui se digitalise de plus en plus. Donc là, on a lancé un programme très, très important visant à ce que les administrations publiques soient effectivement prêtes à accueillir les citoyens, quel que soit leur niveau de connaissance, pour s'assurer effectivement de cela. Deuxième programme que nous poursuivons depuis de nombreuses années, c'est ce qu'on appelle le programme Digital Belgium Skills Fund. Et c'est un programme dans lequel nous regardons effectivement le type de population, le type de formation qui sont données, de manière à ce qu'effectivement on ait un impact sur la formation des jeunes, des moins jeunes, tout au long de leur carrière professionnelle, de manière à ce qu'on crée ce vivier de talents pour venir chez nous. Alors, si je devais dire Est-ce est-ce que vous y arrivez à attirer plus de femmes dans des jobs digitales que par exemple le secteur privé? Alors aujourd'hui, je suis très fier de dire que, par exemple, au SPF Bosa, donc Stratégie Appui, la responsable de notre département IT est une dame. Et donc, je suis très heureux de dire que dans beaucoup de projets que nous avons aujourd'hui dans le digital, notamment au niveau de la transformation et l'innovation, c'est une dame. Et donc, par rapport aux qualités, par rapport à la diversité, et puis on a lancé aussi un certain nombre d'initiatives qui sont liées, je dirais, à la diversité de manière générale. Nous avons lancé un programme qui s'appelle AI for Belgium. Et dans ce contexte-là, notre spécialiste n'est pas loin d'ici aujourd'hui. Eh bien, nous avons naturellement tenu compte de l'importance de la diversité et de l'inclusion, mais aussi attacher de l'importance à ce que la technologie ne doit pas faire peur. On peut s'amuser, on peut apprendre, on peut se développer. Et donc, ce sont de réelles opportunités en termes de carrière pour tout le monde, et notamment dans l'intelligence artificielle. La diversité, c'est essentiel pour justement éviter des biais que l'on peut rencontrer, notamment dans l'élaboration d'algorithmes. Mais on y reviendra, merci. D'accord. Tina Piga, u werkt voor Accenture Consulting. Tina Piga. Vous travaillez pour Adventure Consulting. Comment est-ce que
Venture Consulting essaye d'attirer des femmes qui ont ou acquérir un profil technologique. Est-ce que vous avez une certaine stratégie pour cela? Alors, pour nous, oui, c'est essentiel. On essaye d'adopter une approche holistique. Nous ne pensons pas à des démarches, nous ne sommes pas convaincus, nous ne croyons pas dans les démarches ad hoc, nous voulons une approche holistique et on veut communiquer aussi de manière très ouverte. Directeur général, Pierre Motten, a lancé une initiative très ambitieuse en 2016 dont l'objectif était d'arriver à une répartition 50-50 entre hommes et femmes d'ici 2020. Et donc pour que la moitié des femmes soient au poste de direction, pour d'ici 2025, donc on est sur la bonne voie, mais on a encore pas mal d'efforts à réaliser. Et nous sommes très transparents par rapport à cela. Nous sommes très engagés également, donc nous partageons cet engagement vraiment de manière très publique, très transparente. Et bien sûr, il faut intégrer cela à tous les niveaux de l'entreprise. Il faut que ça fasse partie de l'ADN de l'entreprise, que ce soit dans les processus de révision, de promotion, etc. Nous devons fixer des objectifs concrets, précis. Et j'utilise bien le terme cible et non pas des quotas, comme l'a fait ma collègue avant moi. Et donc, à chaque fois, on se pose des questions. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Et c'est vraiment ça qui sous-tend tous les processus dans l'entreprise. Et en même temps, mettre l'accent uniquement sur les activités au niveau interne, ce n'est pas suffisant. Et par exemple, il n'y a pas d'équilibre des genres dans les canaux de recrutement. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi entreprendre des actions à l'extérieur afin d'attirer des personnes au profil atypique, notamment. Alors, comment est-ce que nous procédons pour cela? Je vais vous donner deux exemples. Nous avons créé l'Académie des technologies. Et par exemple, des jeunes qui sont dans une situation précaire peuvent participer à une formation d'un mois pour ensuite pouvoir être intégrés. Mais c'est très intensif. L'idée, c'est vraiment de les familiariser aux technologies, au travail de consultants en manière technologique. Et ils peuvent effectivement, à la fin de ce stage ou de ce camp, signer un contrat avec Accenture. Mais Accenture ne peut pas faire cela seul. Donc, nous collaborons avec d'autres entreprises qui ont également cette dimension sociale. C'est ce qu'on appelle formation jeune ou camp jeune. Et là, ça dure 3 mois. Ça s'adresse à des jeunes femmes qui font déjà partie du secteur. Mais on veut en fait qu'elles rencontrent des leaders de cette industrie. Et c'est ainsi qu'elles reçoivent une formation intensive de 3 mois. Et la troisième édition cette année est sponsorisée par notre directeur général national, Christophe Van Lambert, et par Ima Farhat également. Donc ce sont eux qui poussent cette initiative et qui collaborent avec des sociétés, des entreprises du même secteur et qui sont engagées également dans ce système de mentorat. Voilà le type de voie typique à suivre pour... dans le but de changer quelque chose. Targets and the balance. Ja, ik hoor heel veel programma's. Alors, j'entends beaucoup parler de programmes et de tentatives d'essayer de faire entrer les femmes dans le monde numérique et leur faire obtenir des emplois numériques. Alors,
absolument fondamental et que de la même façon qu'il faut mesurer la mixité aux différents niveaux, il faut aussi mesurer dans l'entreprise et en particulier dans le département IT le degré d'inclusion. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on mesure le degré d'inclusion ? Il y a deux façons de le faire. Ça peut être une enquête anonyme, complètement anonyme, qui pose les bonnes questions, y compris les questions difficiles. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des micro-agressions sexistes ou racistes ou homophobes ou des choses plus lourdes, des comportements inacceptables, etc. Je pense que c'est un sujet qui ne doit pas être tabou. On peut aussi faire ce qu'on appelle des focus groups. Typiquement, les focus groups, c'est le seul moment où il faut que le focus group soit homogène, c'est-à-dire composé uniquement, par exemple, de femmes qui travaillent dans l'IT de l'entreprise, pour pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce qui vit, est-ce que les choses vont bien, est-ce que vous vivez des choses compliquées, parce que basé là-dessus, alors on peut vraiment mettre des choses en place. Et je voudrais juste dire que la prévention, notamment du sexisme au travail, qui est quand même plus à risque dans des équipes plus homogènes, donc vous avez réussi à attirer, mettons, 3-4 jeunes femmes dans un département qui compte 35 hommes, il y a quand même beaucoup de risques de petites plaisanteries, de petits mots gentils. Alors, il y a des femmes qui vous diront, en levant les épaules, « Ouais, il faut juste avoir un peu d'humour, hein, c'est pas... » Mais en fait, à chaque fois, ça vient saper de façon tout à fait minimale votre confiance en vous. Et si ça sape votre confiance en vous, ça sape aussi votre capacité à croître. Donc, d'accord. Saskia van Uffelen. Digital Together. Ik wil erop zeggen, we all have to be the change. Alors, nous devons tous et toutes être changement pour être numérique. Of ook voor uzelf. Drie niveaus. Ten eerste. Et donc, il faut le faire dans toutes les organisations et aller à tous les niveaux. Et il y a trois modes d'action. Tout d'abord, mesurer. La seule manière d'avancer, c'est d'être déterminé par les données, de savoir exactement, sous forme chiffrée, ce qu'on fait bien. Et ensuite, prendre les mesures appropriées. Il y a beaucoup d'entreprises où on accuse, on pointe du doigt. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la fédération, c'est la faute de ceci, cela. Mais chaque fois que vous accusez quelqu'un d'autre, vous avez trois doigts qui pointent vers vous et qui vous accusent. Donc, une des premières priorités, c'est de décider ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que moi je peux faire en tant que dirigeant, en tant qu'administrateur délégué, en tant que contributeur individuel, qu'est-ce que je peux faire? Et bien sûr, les mesures politiques, les décisions politiques peuvent aider à adopter des stratégies, bien sûr, mais il faut former, recycler, formation continue. Donc tous les emplois changent, tous les emplois sont soumis à des changements. Donc si en tant que personne, vous ne pouvez pas vous engager à être le changement, alors c'est votre propre avenir que vous mettez en danger. Donc ce n'est pas une initiative qui doit être prise par un certain nombre de personnes. Le plus grand défi, c'est de sensibiliser tous les Belges par rapport au fait qu'ils doivent être le changement qu'ils veulent, qu'ils et elles doivent être le changement qu'ils veulent voir dans le monde. C'est la seule manière d'être numérique ensemble. Il y a un changement, on peut faire un changement, une journée par mois, une journée par an, et si on multiplie ça par le nombre de personnes qui travaillent, ça peut déjà faire une énorme différence. Alors il y a des grands programmes universitaires, plus de 50% des programmes techniques travaille avec des femmes, donc vraiment commencer tôt, les inclure dans des apprentissages et ensuite le parrainage, le mentorat, c'est bien, mais il faut favoriser davantage le sponsorship actif, particulièrement. On dit lorsque la fenêtre d'opportunité, la porte d'opportunité a été ouverte pour vous, on ne la referme pas si facilement. On l'ouvre, on attrape qui on peut attraper, qui peut nous suivre. Si chaque femme qui est arrivée, qui a réussi, peut amener une autre femme, et si chaque homme qui a réussi peut amener une autre femme, je pense que nous arriverons à ce changement que nous recherchons. Est-ce que c'est la culture de Roche aussi? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Engager des femmes pour engager des femmes et ensuite les garder. Les hommes et les femmes, je pense que notre culture, c'est vraiment une société où il y a une culture, il y a une communauté. Après 125 ans, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous dans le même bateau. Il y a suffisamment d'emplois pour nous tous et toutes. Il faut reformer, requalifier, recycler le monde de manière accélérée. Ça, c'est la culture chez Roche et en tout cas dans tous les domaines où j'ai travaillé. Mes voisines
Nous souhaitons vraiment être un employeur modèle et attractif. Et donc, effectivement, on l'a dit, du début de notre... De la vie du citoyen et de la citoyenne. Nous voulons être présents dans sa vie en accompagnant le citoyen, utiliser nos outils, en apprenant à nous connaître, en pensant vraiment comment améliorer et simplifier la vie de chacun et de créer cette relation. Et lorsqu'on devient employeur, c'est d'assurer un environnement de bien-être et de développement tout au long de la carrière avec toute une série naturellement d'avantages qu'on va essayer de valoriser bien entendu par rapport à d'autres secteurs où on sait que les talents sont rares. Et donc c'est très très important pour nous de s'assurer qu'il y ait vraiment un rôle modèle qui soit dans l'organisation. Et citons par exemple nos présidentes de différents services publics fédéraux, comme le SPF Économie, on écoutera la présidente tout à l'heure, s'implique directement pour justement dans son rôle modèle de montrer que tout est possible et c'est pas un projet, c'est aujourd'hui. Et donc voilà ce sur quoi nous travaillons. Donc les talents, on en a besoin et c'est pour ça qu'on va continuer à travailler aussi en collaboration avec d'autres organisations comme Agoria et beaucoup d'autres, mais aussi avec les pouvoirs locaux, les régions, de manière à ce qu'on se renforce les uns les autres pour assurer que ce vivier de talents grandisse très très vite, parce qu'effectivement 17-18%, les chiffres varient un petit peu, c'est beaucoup trop faible. Tina Pia, ik denk dat er inderdaad ook nog wel veel nodig is op, op een... Je crois que nous devons beaucoup travailler pour prêter attention aux partis pris inconscients. Si on regarde Accenture en tant que société, nous pouvons être fiers de notre culture de société. Nous sommes très conscients de ce problème et nous... Dans tous nos processus au sein de la société, nous assurons vraiment que nous accordons l'importance requise à la rétention des femmes. C'est difficile d'assurer cette rétention, particulièrement accompagnée d'un développement de carrière, d'une ascension professionnelle. Et dans notre société, nous sommes vraiment fiers d'avoir des gens qui viennent chez nous, qui travaillent dans notre société avec le bon état d'esprit. Et nous nous préoccupons de sensibiliser nos employés par rapport à ces partis pris inconscients. Et nous continuellement nous rappelons à nos effectifs ce qu'il en est. Et c'est un exercice difficile. Sur quoi devons-nous nous concentrer en tant qu'entreprise pour que cela ait un impact? Parce que nous voulons acquérir des talents, nous voulons aussi les retenir et la rétention, c'est toujours compliqué. Je voulais juste ajouter que en tant que société, vous devez vous concentrer sur trois choses. Donc, sur les aspects organisationnels, vos processus doivent être transparents. En termes de recrutement et de promotion, ça doit être transparent. Et il faut aussi se assurer une culture d'entreprise incluante, où tout le monde, hommes et femmes, se sentent valorisés et appréciés. Alors, dans les réunions d'équipe, il faut écouter tout le monde. Si vous êtes la seule femme dans une équipe d'hommes, il faut assurer que ce ne soit pas toujours la femme qui se charge du boulot pratique et du boulot administratif. Vous souriez, mais c'est ça qui se passe en général. Et au niveau individuel, n'essayez pas d'être un mec. Si vous êtes la seule femme dans une équipe d'hommes, n'essayez pas d'être un mec, d'être comme eux. Essayez de ne pas être trop distante. Si vous êtes dans une équipe où vous êtes la seule femme, eh bien, essayez de rentrer en contact avec d'autres femmes dans l'entreprise. Et en Belgique, nous avons un écosystème magnifique d'entreprises qui travaillent pour les femmes et avec les femmes, s'agissant d'entrepreneuriat, de reskilling, de recyclage. Essayez de trouver des femmes qui sont dans le même bateau que vous et échanger des expériences. Résultat de ces enquêtes. Alors, c'est effectivement fondamental de faire quelque chose, parce que quand on va faire l'enquête, on crée évidemment de l'attente. Oui. Et donc, il ne faut pas avoir peur de faire des constats. Si les résultats de l'enquête montrent qu'il y a un niveau de souffrance, que les micro-agressions sont une réalité, par exemple, il faut pouvoir adresser ça. Et alors, on peut vraiment... En fait, il y a vraiment des outils. Donc, nous, au niveau de la finance, du secteur financier, on a créé une boîte à outils pour l'ensemble du secteur financier qui comporte 25 outils à la fois pour adresser mieux la question des biais, pour réduire le risque des micro-agressions,
pour mettre l'accent aussi sur une communication inclusive, une culture inclusive, et aussi pour expliquer ce que c'est le leadership inclusif. Donc toute personne qui le souhaite, toute entreprise, quel que soit son secteur, peut trouver cette boîte à outils sur inclusioninfinance.be, complètement gratuit aussi. Et ça permet en tout cas d'oser aborder des sujets. Je pense que souvent, il y a une espèce de peur dans les entreprises qui disent on va plutôt utiliser le côté positif, on va parler de confiance, on ne va pas aborder le côté, ouais, peut-être qu'il y a parfois du sexisme, du racisme, de l'homophobie. On n'est jamais que des êtres humains. Donc, comme on le voit dans toute la société, ben, on a des gens qui vont en blesser d'autres avec des conséquences derrière. Et donc, comment est-ce qu'on peut, par exemple, parler de l'humour au travail ? Tout le monde a besoin de rire au travail, on aime ça. Mais il faut juste savoir qu'en matière d'humour, c'est important que quand on est au travail, ce soit toujours le receveur qui a le droit de donner le sens. Donc le receveur qui peut dire « Sorry, cette fois-là, ce n'était pas drôle pour moi. » Et alors, ça ne sert à rien de dire ouais, « Tu me connais, je ne suis pas sexiste, je ne suis pas raciste, je ne suis pas homophobe. » Non, c'est juste « Ok, je suis désolé. » Et on continue. C'est un bel avis à une entreprise. Je voulais faire le tour de table pour formuler encore un avis pour les entreprises pour pouvoir attirer et garder des femmes. Ik zou vooral willen kijken naar de volgende generatie. And keep women. Moi, je m'occupe spécialement de la prochaine génération. J'ai 3 filles et 2 fils. Et c'est mon espoir le plus sincère, le plus profond, c'est qu'on ne leur transmette pas les problèmes du passé. Parce que lorsque je parle des problèmes des femmes dans le monde numérique, j'ai le sentiment que je transfère ça à la jeune génération parce que mon fils a 15 ans, il me dit « on va à l'école ensemble, on travaille sur des projets ensemble, on va boire des verres ensemble ». Et je pense qu'il faut garder ça. Les jeunes ont un état d'esprit complètement différent en ce qui concerne leur carrière, en ce qui concerne leur vie, leur cheminement professionnel. Ils veulent apprendre, ils veulent travailler, ils veulent avoir une famille. Donc, ne nous concentrons pas sur la correction des problèmes du passé, mais essayons de regarder ce qui est bien, bien aujourd'hui pour l'avenir. Laurence, moi je dirais que si on veut donner des opportunités aux personnes, il ne faut pas essayer de trouver des candidats qui ont tout. Les sociétés doivent peut-être accorder plus d'importance à une formation à l'emploi et une culture inclusive. Donc, comment, que doivent faire les sociétés pour attirer les femmes et les garder? Je pense que de grands pas en avant ont été faits. Je crois que la pandémie a, d'une certaine manière, nous a fait régresser par rapport à ces progrès. Ce que les gens attendent en cette époque turbulente, c'est plus de compassion, plus d'inclusivité, plus de transparence, plus d'authenticité, plus d'écoute. Plus de décisions qui montrent que la pluralité des points de vue est comprise. Donc, c'est ce qui vient naturellement aux femmes. Donc, si vous pensez à l'avenir de votre entreprise, si vous pensez à dépasser la disruption, dépasser une autre crise, vous devez réfléchir aux compétences de leadership et donc aux femmes, mais pas seulement aux femmes. Ces compétences de leadership existent aussi chez les hommes. Donc, il faut nourrir un environnement où ces compétences sont récompensées ou sont accueillies favorablement et où les critères de leadership sont modifiés pour qu'on sélectionne les dirigeantes et les dirigeants, quel que soit leur sexe. Ils ont dit les choses pour lesquelles on se reconnaît, c'est oser. Oser. Il y a trop de bonnes raisons de ne pas le faire. Et walk the talk. Et j'allais dire, je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est ce que nous essayons de faire tous les jours. Donc, venez chez nous. On a beaucoup d'opportunités. D'accord. Tina Pia, om af te sluiten. Ik zou vooral adviseren aan bedrijven om inderdaad... Moi, je conseillerais aux sociétés de faire quelque chose sur le pipeline du recrutement. La plupart des sociétés ont des objectifs, des entreprises ont des objectifs en matière de parité, en matière de diversité, de genre, aux différents niveaux, mais nous devons nous attaquer aux causes racines, aux causes profondes dans chaque entreprise. C'est ça que nous devons faire. Si toutes les femmes pouvaient tirer avec elle, donc tirer par la main une autre femme et l'emmener vers le sommet dans son parcours de carrière, ce serait bien. Nous devons vraiment nous attaquer aux causes profondes, au développement de carrière. Et je pense que la société pourra en bénéficier dans son ensemble. Merci beaucoup pour vos contributions.
contributions à ce débat. Nous arrivons ainsi à la fin de ce webinaire, mesdames et messieurs. Nous nous reverrons à l'avenir, la prochaine fois, et je vous invite à écouter les conclusions de cette séance du matin. C'est Séverine Wetterblay qui va se charger de vous présenter les conclusions. Voilà, het is nu tijd om dit evenement af te sluiten. Donc, le moment est venu de tirer des conclusions de cet événement après avoir entendu des présentations fascinantes qui nous montrent comment la participation et l'implication active des femmes est un ingrédient indispensable pour une économie digitale, numérique, plus inclusive et pour une société plus inclusive. Donc, nous devons soutenir ce projet toutes et tous ensemble. Si nous voulons vraiment attirer davantage de filles dans les technologies, les sciences, l'ingénierie, les mathématiques, c'est un défi collectif à relever. Que de femmes déjà actives dans une fonction TIC ou STEM. Alors, pour ceux qui sont un petit peu perdus, qui ne savent pas par où commencer, pour mieux identifier les problèmes au sein de votre organisation, objectivez ces problèmes en dressant une liste, un inventaire chiffré et n'hésitez pas à fixer une stratégie avec des actions concrètes. N'hésitez pas à vous inspirer de la stratégie Women in Digital, à contacter vos pairs, à prendre connaissance des travaux réalisés dans le cadre de réseaux, par exemple, comme Women in Finance, Women for Cyber, ou à contacter des centres de formation spécialisés comme l'École 19, l'interface 3, l'interface 3, Bicentrale ou Technocité, par exemple. Et il y en a encore bien d'autres. Si vous voulez aussi vous inspirer de la stratégie, toutes les informations sur les formations, sur les documents, sont désormais accessibles sur notre site qui a été lancé aujourd'hui, le site Be Digital Together. Et vous pouvez également nous contacter via cette plateforme si vous êtes intéressé. L'année prochaine, j'espère organiser un événement. Vous avez compris que cet événement est encore en hybride et évidemment a été organisé au moment où la crise Covid nous obligeait de le faire comme ça. Mais l'année prochaine, nous allons organiser un événement où nous allons pouvoir tous nous retrouver et discuter de cette problématique, parce que vous le savez peut-être, mais c'est un événement qui doit s'organiser dans les 27 pays européens chaque année, et ce sera donc le dernier jeudi du mois d'avril. C'est le même jour pour l'ensemble des pays européens, et donc j'espère bien pouvoir vous retrouver l'année prochaine autour de ces thématiques et de pouvoir aussi vous présenter des réalisations concrètes, puisque je l'ai indiqué dans mon speech d'introduction, nous avons quand même un budget conséquent au niveau du fédéral, mais aussi un certain nombre d'actions au niveau des entités fédérées. Il me reste maintenant à remercier tous les intervenants. Ils sont déjà à côté de moi, donc j'en profite encore de les remercier pour leurs interventions et remercier également Bicentrale et Google de nous avoir accueillis dans ces documents, dans ces bâtiments qui sont quand même exceptionnels. Si vous souhaitez suivre une formation, venez voir l'endroit, c'est assez agréable. Et donc, je vous dis, see you next year, à l'année prochaine, tot volgende jaar. Bedankt allemaal. Merci.